ou Guillaume une, peut-être une troisième fois le générique. Bref, ça y est, bienvenue, c'est le retour de Club Yu-Gi-Oh! Avec Jiraya, yes, avec Xavi, aujourd'hui, ce soir, pour la reprise jusqu'à 21h30. Et oui, vous l'avez vu, les horaires de Club Yu-Gi-Oh! Ont changé. Maintenant, c'est chaque mardi sur Twitch. Le Twitch de le stream de 20h à 21h30. C'est beau. Bref, il devait avoir un nouveau jingle. Malheureusement, on a eu quelques contretemps et là-dessus, on est désolé. Tout est tourné, mais ça n'est pas encore monté, étant donné que Nioh est complètement surchargé. Comment ça va, Gige ? Super bien. Écoute, je suis très heureux de vous retrouver dans ce club Yu-Gi-Oh! Comme presque tous les mardis désormais. Et voilà, j'ai appris que tu avais fait de nouveaux decks. Que tu avais un peu communié à Dunkerque en achetant un maximum de cartes à 10 centimes. Et j'espère découvrir ça aujourd'hui avec grand plaisir. Yes, yes. Alors, Xari, qui est dans le fond du studio, ouais, il est en train de réviser. Maître du jeu. Étant donné que le premier deck qui va être présenté ici dans la saison 2 du Club Yu-Gi-Oh! Eh bien, c'est un deck héros de la destinée. Ah, voilà, c'est Xari qui l'a fait. Il est en train de réviser. Et toutes les semaines, dans Club Yu-Gi-Oh! On va vous présenter un nouveau deck. Donc, normalement, ça va être le cas pendant 2 mois. Voilà, je pense que je devrais être pas loin de 8 nouveaux decks quand je les aurai tous terminés. Il y aura des nouveautés. Voilà, on va essayer de tenir le créneau de une nouveauté par semaine. Là-dessus, rien ne change. Les protagonistes ne changent pas. Vous verrez toujours Jiraya. Une semaine sur deux, vous verrez Xari. Toutes les semaines à mes côtés, vous verrez Max, yes, de temps en temps. Vous verrez Doc Seven. Et peut-être des nouveaux invités. Des nouvelles stars. On a un problème là avec la cam. Est-ce qu'on peut resserrer, s'il vous plaît? Le problème, c'est qu'on voit pas assez ma maladie. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu vas jouer, Gige? Hop là. Un deck Gal, je pense. Ça ira bien avec le thème. Un deck Gal, oh, terrible. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Bref, juste avant de commencer, pour fêter le retour de Club Yu-Gi-Oh, je fais gagner 3 decks de structure sur mon Twitter. Voilà, ils sont à gagner et le tirage au sort se fera la semaine prochaine. J'ai aussi un petit Stropole sur mon Twitter également, si jamais vous voulez me dire les decks que vous kiffez le plus et les decks surtout que vous avez envie de voir présenter, tout simplement, que ce soit sur mon YouTube ou autre part. Donc voilà, le Stropole se trouve sur mon Twitter. Bref, Jiraya, je te propose de commencer. Oui. Ça fait un petit moment que j'attends ce moment de pouvoir rejouer à Yu-Gi-Oh! Pour le coup, j'ai créé des nouveaux decks pour la saison 2, mais j'ai aussi mis à jour les anciens decks. Pas tous, d'accord, mais les decks qui étaient trop forts, je les ai nerfés un petit peu, à l'image du deck Harpy, par exemple, que j'ai revu un petit peu vers le bas. Le deck Toon, j'étais obligé de retirer le royaume, le royaume des Toons. Et ben, je te propose de le tester, peut-être pas aujourd'hui. Mais, non, pas aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire chier sur la première game, en fait, ça va être très insupportable. Bien, très bien, mais voilà, il y a plein de decks que j'ai modifié. Or, des fois c'est 2-3 cartes, des fois c'est un peu plus, mais voilà, l'idée c'est renouveler les combos, en ajouter des nouvelles et nerfer un petit peu les decks Est-ce trop forts et UP modifié, et les decks un peu plus les deux decks Burn. Non. Magic Burn. Non, ils sont tels quels. Okay, ils sont tels quels. Jiraya, je te propose de choisir un deck. Est-ce que tu as envie de me conseiller un deck que tu aurais fait qui... Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je ne les connais pas, les decks que tu as fait. Et donc, après, est-ce que j'ai perdu temps ou pas? Les decks que j'ai mis à jour, c'est moins de 10 cartes. Hein. Non, mais à part ceux que tu as mis à jour, je veux dire, les nouveaux decks. Les nouveaux decks, il y en a un par semaine et c'est celui de Xari pour l'instant. Excuse-moi. Donc, mais écoute, donc, je ne t'embête pas. Je te l'ai choisi en premier, Zulu. Comme ça, je prends pas. Je vais comme choisir ça, je vais un deck que j'ai beaucoup envie de tester. C'est quoi? C'est le deck Rocher. Ça, on l'avait pas, ça, Rocher. Si, on l'avait, mais il était beaucoup, beaucoup trop fort. Il était complètement. C'est celui où il avait toutes les cartes un peu cheatées, là, où j'avais full rage, full sel. Je l'ai complètement nerfé. Ouais, je vois pas. J'ai amené des nouvelles mécaniques dedans. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Très bien. Tu sais, le terrain, c'est. Au lieu de détruire, tu meules une carte à la place de détruire. Ah oui, oui. Exact. Alors oui, je vois un message dans le chat, pas de synchro. C'est pour l'instant old school là. Pour l'instant non, mais par contre, je vous le dis, on va faire des émissions hors série où on testera, par exemple, où j'irai créer 2 ou 3 decks synchro et on se fera des soirées spéciales synchro, spéciales Xyz, spéciales liens peut-être. C'est le deck Monarque celui-là, non? Celui-là, montre lequel c'est. Parce que j'ai vu juste un monarque en fait, je me suis posé la question avec Caius le monarque. Non, non, c'est un deck bannissement, tu peux le jouer, c'est très marrant. C'est très marrant. Ça bannit quoi. Allez.
Ah d'accord, bon, j'ai jamais joué donc... Bon, mélange-le. Ouais, écoute, hein, on va voir. Et c'est parti, pendant que Xari révise son deck héros de la destinée qui va être testé c'est tout à l'heure. C'est terrible, dans le dessin animé il est fort, mais là je sens que je vais me prendre une queue gros. Non. Eh bah c'est pas grave. Non, non, Xari, faut pas dire ça, faut pas on partir... Pas partir défaitiste. On va voir, mais c'est, ça peut être ok. J'ai vu ma... Bon allez les gars, commencez allez. Là, on a tous envie de sang là. Bonne chance à toi Gige. Bonne chance, que l'âme des cartes soit avec toi mon ami. Zut. Je te propose un pile ou face. Allez. Si c'est le stream, je choisis. Si c'est Yugi, tu choisis. Ok. Je vais commencer. Aïe. Oh, alors vache. Bien sûr, pour les nouveaux ou nouvelles qui pourraient nous rejoindre, eh bien sachez qu'on joue des decks rétro. On joue aucune carte synchro, aucune carte Xyz, aucune carte pendule, aucune carte lien. Et on se réserve le droit d'incorporer des nouvelles cartes, pas trop dans les decks, mais pour upper un petit peu la force d'un ou deux decks. Et on joue sans banlist, et j'essaie de niveler un petit peu le level des decks. Alors, qu'est-ce que je vais produire contre Gigi? Qu'est-ce que je vais produire? Mais d'accord, c'est 6 cartes hein, en début. Si je ouais, c'est 5 puis 6. Parce que nous, on joue encore avec ouais, les anciennes toi, règles. Sûr, ok, très bien. Ça pue, c'est mort, ça. Ça pue, c'est grand mort. Pas de banlist, exactement. Ah, c'est 5 plus 6 pour moi aussi. Bon, hop, on s'en fout, je la mets là. Hein, je la piocherai après. Ok, je vais jouer plus acide, qui est une nouvelle carte, une carte magie de terrain. Enfin, une nouvelle carte, une carte que j'ai rajoutée dans le deck crochet. Tous les monstres terre perdent 500 points d'attaque et gagnent 400 points de défense. Oh, et je vais ensuite poser ce monstre face verso et je vais dire fin de tour, j'ai rien. Très bien. Alors... Est-ce que tu peux mettre un peu de son sur le plateau, s'il te plaît, David? Ah oui, d'accord. Histoire qu'on s'ambiance un petit peu, s'il te plaît. Merci. Alors, Jiria qui découvre son deck. Non, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes que je connaissais, du coup, déjà. Ouais. Et donc c'est plutôt cool. Je vais jouer tout de suite, grâce à ma magie, tout simplement, la fissure dimensionnelle. D'accord. Qui permet tout simplement d'avoir tous les monstres envoyés au cimetière, sont retirés, sont bannis à la place. D'accord, donc il n'y a pas de cimetière. Carte magie continue, exactement. C'est que les monstres ou toutes les cartes? C'est tous les monstres envoyés au cimetière. Donc c'est-à-dire que toi aussi. Ok, d'accord. Voilà, beau gosse. Et je vais jouer également l'absorption de l'âme. Si une ou plusieurs cartes sont bannies, gagner 500 LP pour chacune d'elles. Ce qui est, belle main, monsieur. Très bien. Oh, mais c'est sympa en vrai, c'est pas mal. Hein. Moi, très bien, très bien. Ok, je vois un petit peu où tu veux en venir. Non, ça fait super plaisir. D'accord. Belle main, monsieur. D'accord. J'avais une petite combo à faire là, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais, bah écoute, là, c'est pas war ce que je vais faire, quoi. Donc, je vais juste dire fin de tour pour l'instant, voilà. Ok, je pioche. Mm-hmm. Très bien, je pioche. C'est un deck bannissement que je joue. Ouais, voilà. je pioche. Première fois que je le joue, mais il y a quelques cartes que je connais quand même. Oui, bah. Donc, je vais arrête m'en sortir un de peu gratter mieux. Ouais, Xari, merci de me le rappeler. Voilà. Je vais jouer gardien Kaoki Meru. Gardien Celt. C'est un monstre à effet, mais c'est un monstre surtout archétype Kaoki Meru. Et que ici, j'ai mis dans le deck juste parce qu'il est rocher, donc son effet n'aura aucune incidence. Ici, d'accord. Il a 1900 d'attaque, mais il perd 500 à cause de ma carte. D'accord, donc il a 1400 quoi. J'ai pas vu, on est sur ok. il perd 1500. Il perd 500 à cause de ma carte magie d'équipement. Pardon. Je vais. Je vais proposer un violent orage en fait. Je vais proposer un violent orage. Ah oui. Ah bah super. Comme ça il repasse à 1009 et j'attaque. Très bien, je prends forcément. Donc Gigi qui perd 1009. Fin de tour. Parce que c'était un peu fort ta combo quand même. Ouais bah du coup là j'ai plus rien en fait, tu vas pas te mentir. C'est perdu. C'est totalement perdu. Voilà, on va pas se mentir. À moi de jouer. Je me retrouve un petit peu dans la menace quoi. Kohaki est détruit apparemment. Comment? Ton Kohaki est mort, quoi? Ah oui? Ah bah super.
Pourquoi il est mort ? Durant chacune de vos end phases, détruisez cette carte, sauf si vous envoyez un noyau d'énergie. D'accord, ok, très bien. Allez. Ok, d'accord, bah ça on va l'enlever. Ça on va l'enlever. Comment j'ai pu laisser un truc comme ça ? Shurtri. Ok, très bien. Shurtri, Shurtri. Je suis donc naze. Shurtri, Shurtri. Pas grave. Bah je peux rien faire, donc putain, j'ai pas envie de la jouer, mais ça, j'ai pas le choix. Eh oh, Gige là, oh. Ouais, excuse-moi, là, Xav. T'as pas perdre en deux tours, t'es juste le boss. Je fais rien, bon, à toi. La zone magie piège trop sombre. Ah, je crois qu'on a pas modifié les... Ah, les luminosités, ouais. Ouais, c'est pas grave, y a rien dedans. En vrai, ça me fait chier parce que... Ouais. Oh ben... Alors, est-ce que tu vas réussir à passer face à un dragon ultime? Je vais sacrifier mon homme bloc pour jouer mon grand margue. Ouais. Lorsque cette carte est invoquée avec succès, par invocation de son sacrifice, détruisez une carte posée sur le terrain. Il n'y en a pas, j'attaque. Ok, 2400 à moi. Ouais. Ah, voilà. Ah. Oh putain, Jiraya, t'es déjà dans la menace. J'avoue que le plateau est assez sombre, hein, quand même. Ah, c'est pas mal. T'es... Ça c'est pas mal, ça c'est absolument pas mal. Je vais jouer la dame guerrière Didi. Ah, très bien joué. Qui est très ça. Sympathique. Lorsque cette carte combat un monstre de votre adversaire, après le calcul des dommages, vous pouvez retirer du jeu le monstre de votre adversaire et cette carte. Tout simplement, donc elle a 2400, je vais attaquer, on retire nos cartes du jeu. Et okay. Je perds 900. 900 points, il est à 2600. 900, exactement. Bah, 2800. Ah oui, d'accord. 2800. Et je vais dire fin de tour. Ok, je pioche. J'ai pas eu. J'ai une main de départ qui était intéressante. Okay. Et le violent orage m'a baisé. Je joue plus acide, le retour. Quel tricheur, ouais. Mais quel tricheur. Je cède ça et j'y fin de tour. Allez, baisse-le. Bien joué, mec. Drag at the cock. Ok. Ça fait quoi déjà? Juste ça, alors, 500 et 400. Tous les monstres terre perdent 500 points d'attaque. Et gagne 400 points de défense. D'accord. Putain, j'avais un combo de ouf, mais ça me dégoûte en fait. Non, c'est le grand marque, c'est face recto. C'est face verso, pas recto, non? C'est face verso. Ouais, donc c'est bon. Détruisez une carte posée sur le terrain. C'est posé, c'est face cachée. Parce qu'en gros, s'il y avait une carte posée, c'était une carte de Zoulou, il aurait été obligé de détruire une de ses propres cartes. Mais là, il y avait absolument rien sur le terrain. Donc... Alors, que vas-tu faire, Gilles? Jouer Typhon d'espace mystique ici. Oh, très bien joué. Ouh, sur ce cylindre Magi. Et tu détruis mon rétrécissement. Qui faisait quoi? Qui divisait l'attaque de ton monstre par deux. Ah, et donc, du coup, là, il a un monstre à 3000 de def. Donc, belle. Tu vois, bah, poser comme ça. Oui, c'est possible. Sans sacrifice. C'est possible. Non. Zoulou, je connais ton deck. Donc, ferme-la maintenant. Allez, Gige, invoque le dad. Alors, que va faire Gigi? Cherche une solution. Je vais juste téléphone. Absolument. C'est obligatoire, donc tu devais détruire ta propre carte. Non, c'était la seule sur le terrain. Il n'y avait pas de carte posée, les gars. Non, mais c'est carte posée. Carte posée, c'est face verso. Face verso. Posée, c'est comme là, la carte là ou les cartes magie posées. Donc ne soyez pas bêtes, les amis. Jouez le visage nécro. Aïe, aïe, aïe. Visage nécro, qui est une carte naze. Lorsque cette carte est invoquée normalement, mélangez toutes les cartes retirées du jeu dans le deck de leur propriétaire. Cette carte gagne 100 points d'attaque pour chacune de ces cartes. Voilà, donc c'est pas insane. Hein, mais... okay. C'est pas insane donc, là, mais... Tu prends 200. Ouais, je prends 200. T'as 1400. 1400, exactement. Hein? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est son monstre qui a pris 200, David. T'inquiète. David était au taquet. David est en mode 200, j'ai entendu 200. Ok. Je vais pas perdre contre un mec qui a des sleeves couleur caca. Me baisse total quoi. Bah tant pis, hein, je vais jouer. Bah en vrai, c'est mon violent rage qui t'a. Je vais jouer corps brumeux sur visage nécro. D'accord, qu'est-ce que ça fait? En gros, il peut pas être détruit. Voilà, d'accord, ok. Et je vais jouer destruction de cartes. Ok. Et on récupère. T'en récupères combien? Deux. Oh, t'avais deux mages. Oh, il avait deux mages. Bah ouais, ah oui, gros, je l'ai vraiment baisé. Je suis baisé. Ah, le violent rage, t'as baisé. Oh, gros. T'avais gagné tellement là, gros. Ah, ouais, mais gros, t'aurais gagné de ouf. Ouais. J'en aurais eu trois bannis là. Non, mais t'en aurais plus. Oh, parce que tout était banni, tous les cimetières étaient bannis avec sa carte magie. Ouais, il aurait surtout gagné des points. Ouais, j'aurais gagné des points de vie en fait. Ok. Et je dis fin de tour. Ok, hey, très bien. Gige, you can do it. Yes, maybe I can do it. Je vais jouer fragment de cupidité. Oh, non. Chaque fois que vous piochez. Tiens,
Chaque fois que vous piochez une ou plusieurs cartes comme pioche normale durant votre draw phase, placez un compteur de cupidité sur cette carte. Vous pouvez envoyer cette carte avec deux compteurs de cupidité au cimetière et piocher deux cartes. C'est beau ce que tu dis. Je cède ça et je dis fin de tour. Tu sais, hein, les rochers, c'est des montagnes. Hein. Les montagnes, ça a beaucoup de défense. C'est magnifique. Donc, n'attaque pas trop, ne fais pas n'importe quoi. On va jouer pot de dualité, mon cher ami. Ok, révèle les trois premières cartes de ton deck. Hein, c'est ce qu'il fait, en fait. Hop. Oh oui, ça va peut-être regagner des cartes, là. Oh non, c'est pas Caïus, Caïus bonus. Non. Je me souviens plus ce qu'il fait, cet enculé. Il bannit, mais le problème, c'est qu'il faut deux sacrifices. Ouais, il faut un. Non, il faut c'est... un si c'est un mon sacrifice. Ouais, ouais. Parce que c'est six, hein. Ah non, d'accord, c'est pas le méga bon arc. Non, désolé, c'est un sacrifice. Mais c'est pas grave, y'a pas de... Ah, j'ai confondu Caïus. Tu veux le mettre au milieu? Parce que c'est Caïus. Mais y'a le deuxième Caïus ou pas? Là, dans ce deck-là, je l'ai pas vu en tout cas. Y'a pas le Caïus bonus méga bon arc. Trappe sans fond qui fait que je détruis n'importe quel monstre parce que je suis boss en fait. Non, bah non. Pour Caïus bonus, gros. Mais t'as pas montré l'autre? Celle-là, ça faisait quoi? Je sais même pas. C'est le truc qui te donne les points de vie. Ah, c'est celle-là? Elle a vécu celle-là. Ouais, celle-là, elle a bien vécu. Hop. Bon, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Nani 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 boum. Nani 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 nani. Kaipa. Ah, mais c'est chiant parce qu'il doit avoir des monstres qui ont grave de la défense quoi. Bah oui, justement, mais prends Caïus bonus. Et bannis-le. C'est pas face recto que tu dois bannir? Non, cibler une carte sur le terrain, bannissez la cible. Oulala, Caïus bannis! Ouais, ouais, tu vas redescendre un petit peu quand même. Bannis celle de gauche, hein, je te préviens. Voilà! T'as pris quoi? J'ai Caïus, Caïus bonus. Caïus bonus bien. Qui est le chef des Romains de Laudanum. De Laudanum? Laudanum ou de petit, Baba Orum peut-être. Petit bonhomme. De petit bonhomme ou de Baba Orum, je sais plus. Hop! Je fais ça. C'est quoi le dernier village d'ailleurs? Laudanum, Baba Orum, petit bonhomme et. Et Non, Laudanum. Et, Laudanum. Alors, il y en a quatre. Gige? Gige? Oh là là, ah, c'est retiré, ok. Non, mais Baba Orum, on l'a dit. Il y a Baba Orum, petit bonhomme. Excuse-moi, je te demande une petite précision, c'est lorsque cette carte est retirée du jeu, c'est-à-dire bannie. Ah, c'est Aquarium, c'est vrai. Lorsque cette carte est retirée du, retirée du jeu, c'est-à-dire soit... Ah oui, oui. C'est bien banni, c'est oui. Pas au cimetière, on est d'accord. Je finis mon tour. Okay. Oh là là. Je pioche. Très bien, c'est ça. Donc ça me fait un compteur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'attends en fait. Ah ouais, bah tu peux attendre. Je peux attendre parce que là il va faire mon Terriborn. Comment j'ai pu oublier cet effet et laisser cette carte dans mon deck quoi? Oh, j'étais un peu distrait. J'étais un peu distrait. Fin de tour. Oh là là. T'as un Gige, il peut revenir. Hein. Il peut revenir ce qui. Oh, fin mais de non, tour. T'as pris Caïus. À toi. Ouais, mon pote. Parce qu'avec visage nécro. Ouais, on veut pas savoir, vas-y, c'est à toi. Oh, s'il avait son. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça, espèce d'enculé. Parce s'il, que... avait, s'il a ça sur le terrain. Ça plus. Et que ça, c'est banni. Non, mais c'est surtout si j'ai. Il si gagne. J'ai ça juste, gros. Ça fait 10 cartes retirées instantanément oui. Du terrain. Quoi. Oui, mais enfin, comboté. Comboté avec ça, tu gagnes. Non, mais c'est surtout ça. Tu gagnes 5000 points de vie. Hein. Oui. Et puis ça faisait une carte à 4400. Bon, je pioche. Mais attends, t'as fini ton tour là? Oui, j'ai fini. Je pioche. En fait, je peux pas me permettre de la. J'explose mon fragment de cupidité. Allez, et je pioche 2. Explose. Voilà, et là il se remet. Et là, on peut dire GG. Et voilà, et le coup de pistolet. Putain, il m'a plus que 2 cartes. Le truc, c'est que j'ai pas de. Mais non, mais j'ai. Celle-là, elle est intéressante en vrai. Elle est cool celle-là. Fin de tour. Mais bon. Ah! Caïus Bobo. C'est pas mal, fragment de cupidité. Je pense que je le mettrai dans plus de decks. Exact. 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 T'es le boss, mec, le boss. Le alors, Gige. Ah, visage nécro plus. Plus absorption d'âme, là. 5000 points de vie sur un. C'est un deck bannissement inspiré du deck de Doc Seven. C'est à un toi, peu mon pote. Ça. C'est un peu ça. Après, il faut dire que le deck de Doc Seven, c'est inspiré par le deck d'un mec qui a gagné. Qui a gagné un YCS ou un truc dans le genre, quoi. Oh. Oh, Belle, Belle. Intéressant. Oh, j'aimerais trop faire un deck Mbappé inspiré de Willy Sagnol. Ce serait énorme. Ouais, Sidney Govou. Ce serait énorme. Sidney Gov. Ou Djorkaeff. Oui. Fin de tour. Oh là là, hé. Hey. J'attends. Il y a trou noir là-dedans? Oui. Non, je crois pas. Y'a pas une carte qui détruit que les cartes face verso, justement? Si, si, elle est comme ça. Fin de tour. Deck Mbappé. Y'a un mec qui arrive sur le live, il fait
Mais c'est pas Duel Links. C'est de la merde. Parce mais qu'on est certainement dans cette catégorie. Là on est. Faudrait envoyer un petit mail à Twitch et dire il n'y a pas Yu-Gi-Oh. Bah faut mettre table board. Ouais mais ça fait pas de vue. Ah board game. Ah bah apparemment on est board game. Bah ça fait pas de vue. On est 500, merci à tous. Je poste ça, fin de tour. On est deux. Merci à tous. Bah non, on est déjà minimum 3 parce qu'on se regarde nous-mêmes en fait. Fais chier, j'ai une opportunité de te tomber, mais j'ai un deck assez défensif, donc j'attends d'avoir les bonnes cartes. Ah, pas mal. À toi, d'avoir quoi, Zulu? Les bonnes cartes. Les bonnes cartes. À toi. Putain, moi j'espère que j'ai un violent rage, sinon je me fais full ken. J'espère que t'as pas de violent rage. Ah mais bon, je te dis que t'as un violent rage. Oh là 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 là. Alors j'ai hâte de jouer l'héros de la destinée. Même si je suis très mauvais avec ce deck, car je suis pas fan de Aster Phoenix dans GX, donc j'ai pas trop suivi les duels d'animé avec Aster Phoenix. Je pense que je vais changer plus d'acide. Ça me fait jouer tellement tellement défensif. C'est quoi plus d'acide? Bah ça enlève 400 à 500 d'attaque à tous mes monstres terre, enfin à tous les monstres terre sur le terrain. Ça leur rajoute 400. Ça me rajoute 400. Mais je pense que je vais privilégier un terrain. C'est du milieu, mec. C'est un monstre, non? Non, c'est cibler une carte. Ah ouais? Une carte sur le terrain. Ça? Oui, en gros, c'est si c'est un monstre ténèbre, je t'inflige 1000 points de dégâts. Ça dégage. Oh, l'épouvantail, okay. C'était une bonne non, carte. Non, par contre, elle est bonne. Ça m'énerve. Ok. Allez, voilà. Et je pense que je vais privilégier un terrain qui donne genre 200-200. Ok. Pour pouvoir être un peu après, plus polyvalent. Deck. Et l'histoire de parce que là, on se fait drôlement chier. Je vais attaquer. Il y a 2400. Pas celui attaquer du milieu. Non, pas celui du milieu. Non, si, je vais attaquer celui-là. Oh, yeah, yeah. Tu vas attaquer celui du milieu. On verra. Ouais, Jiraya, tu viens de tomber dans mon piège et tu actives ma boîte féerique. Allez, paye 500 points de vie. Je bah pas tout de suite, mais surtout on va effectuer un lancer de dés. Ouais. Un lancer de pièce. Si j'ai raison, ouais. Ton attaque équivaut à 0. Ouais. Sauf que tu viens d'attaquer ma statue de pierre des Aztèques. Ouais, je perds 2500. Je te laisse lire l'effet de statue de pierre des Aztèques. Non. Mais non. Tu touches pas. Statue de pierre des Aztèques. Tout est dommage, le combat que votre adversaire reçoit lorsqu'il attaque ce monstre sont doublés. Nice. Je te laisse faire le calcul. 2000 x 2. Je t'avais dit de pas attaquer celle du milieu. 2004 x 2. Je te laisse deviner combien ça peut faire. Bon, moi j'ai attends, perdu. Tu attends. Mais j'active aussi contre-croisé. Je sais pas ce que ça fait en vrai. Contre-croisé. Si la défense d'un monstre attaqué en position de défense est supérieure à l'attaque d'un monstre, du monstre attaquant de votre adversaire, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont doublés. Donc là, tu peux te prendre 10 000 de dégâts. Oui, mais ça sert à rien, on s'en fout. Dans tous les cas, je suis mort. Mais oui, genre, mais c'est con d'activer ça maintenant. 10 000 de dégâts. Pourquoi t'actives ça? Bah oui, parce que si ça passe pas, t'as perdu toutes tes cartes. C'est vrai. Voilà, c'est... mais trop tard, tu l'as fait. Allez, on y va. C'est juste un Yugi, quoi. Yugi et tu perds? Non, Yugi et il gagne. Yugi et tu gagnes. Alors, Yugi et ton attaque passe à 0. T'es sûr? Et attends. C'est. Attends. T'as Yugi! Bouillard! Il fallait pas attaquer celui du milieu. Et là, tu peux l'exploser. Ah ouais, exact. Bien joué. Y'a pas d'explosion? Y'a pas de transition explosion? Bon, bah j'avais pas de carte malheureusement. Oh, t'aurais pas du grid, t'aurais dû attendre. J'aurais pas dit quoi? T'aurais pas du grid, t'aurais dû attendre encore. Bah non, mais là, j'avais rien. Excuse-moi, ce n'est pas 10 000. Excuse-moi, Jiraya, ce n'est pas 10 000. C'est 2400. 2400, ça fait 2400, ça fait 4800, ça fait 9600. Voilà ce que ça fait. Ça allez, fait on 9600. Y va. C'est... J'ai peut-être perdu, mais j'étais en cours de maths. Allez, on y va. Bon, c'est dommage. Par contre, le deck était intéressant, mais c'est en juste vrai, j'ai en pas vrai, eu la, en vrai, la bonne vu qu'il pioche, a que quoi. Des montres en position de défense, t'aurais dû tempo. Ah oui, et mais des... je pouvais tempo à l'infini, mais je me suis dit. En fait, ça c'est à saison 2 le club Yu-Gi-Oh. Je sais pas c'est quoi la suite du deck, parce qu'en gros, ce qu'il me fallait, c'était de quoi bannir cette carte. Et en fait, il y a plein de trucs qui peuvent bannir. Non, tu vois, j'ai trou noir, mais j'ai pas violent orange. Ah si, il est là. Putain, il était loin. Mais c'est pas grave, il peut pas attaquer en fait, il a que des monstres à 0 d'attaque. Mais non, ça fait 8000 la statue à 2000. Ah ouais, non, la statue à 2400. Tous ces monstres ont 0 d'attaque. Ah, ils ont pas 0, mais il va ouais, genre ils ont 300 machin, ok. Putain, je suis dégoûté. Non, ah, c'est pas... Après, sans violent rage, t'avais gagné. Hein, oui, oui, c'est gagné. Je le baisais. Ah, c'est l'âme des cartes qui a été avec toi, mon cher. Ah Zoom. Ouais. Yes. Mais est-ce qu'elle sera là contre la destinée? Oh, je ne sais pas. Je vais rejouer ce deck après, il est pas mal. Dogma! Il est bien. Ouais, j'aime bien. De la destinée! Ok, très bien, je vais jouer okay, le nouveau deck L. Bien joué, mon ami Xari!
Par contre, ça c'est trash tier. Hein. Ça c'est trash tier. Ouais, non, c'est le deck le plus fort du jeu. Il est clairement trash tier le deck là. Je pense, honnêtement, des trois que j'ai fait, je pense que c'est le plus faible. Putain, première game avec le rework du deck Rocher là, qui. J'arrive à sortir la combo que j'avais prévu quoi. Mais t'arrives à sortir Violent Rage surtout. Pas de combo. C'est vrai que ça t'a un peu mis en PLS. Violent Rage, il m'a détruit mes deux. Parce que gros, j'avais destruction de main dès le début. Je voulais juste poser la carte de mort là, et ensuite je mettais. Enfin, t'étais Z-Boss. Je faisais des cartes de ouf quoi. Parce que la carte continue qui fait que toutes les cartes qui vont au cimetière sont retirées du jeu. Oui, c'est fumé. Un peu fort. Mais il y a plus fort, il y a le monstre. Ouais, qui est un peu aussi, ouais. Sauf qu'il a 1900 d'attaque et tu le mets toi, hein, t'es en mode. Au revoir. Au revoir. Mais alors, pourquoi il y a quelqu'un qui dit mais oui, dommage de combat, Zul a volé la game. Hein? Son monstre avait 0 d'attaque, il attaque mon monstre à 2400. Donc c'est du dommage de combat. Et le dommage est doublé, puis redoublé. Donc si je sais bien compter, ça fait 9600. Ah oui, c'était des dommages. Oui, c'est sûr à certains. Je te bien laisse vu. Faire le pile ou face, Xari. On n'a rien dit. C'était face. Bah, t'es toujours Yogi, toi. Ok, moi je suis toujours Yogi. Et c'est le stream. Le bien stream. Joué. Bien joué. Je vais commencer. Je sais pas trop si c'est un avantage ou pas avec ce deck. Mais... Commence, Xari, je sens l'âme des cartes avec toi. Alors là, je joue le deck Elf. Et j'ai modifié quelques cartes dans le deck Elf. Parce que notamment, il était beaucoup trop fort avec le Parchat. J'ai l'impression que quand plus, il dit ça, tous les decks étaient beaucoup trop forts. Bon, c'est vrai que j'ai modifié le deck Joey, il était beaucoup trop fort. Le deck. La stratégie de deck Elf avant me permettait d'invoquer le Parchat plus plus. Parce qu'en fait, il y a deux Parchats. Parchat. Le Parchat à 1900 et le Parchat à 2005 ou 2006. Et le Parchat à 2006, il pouvait encore voir ses points de vie augmenter. Et il était trop facile à invoquer. Donc. Je l'ai enlevé. Qui c'est qui a un iPhone X ici? C'est Maxil, Dan. C'est Maxil. Mais ça, c'est à moi, ça. Ça? Oui. On dirait un iPhone X, mec. Bah oui. C'est le principe du. Putain, c'est pas. C'est Xiaomi? Bah oui. C'est le bon. Oh là 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 là. Allez, fin de tour. Yes! T'es sérieux? Eh oui. Ok, je pioche. Soyez Xavier. Yes, j'ai la pire main possible. Attends, tes deux cartes bien et qui joue. Le Sanctuaire Céleste. Il est indestructible, lui, c'est pas ça? Le Sanctuaire Céleste. Regarde. Ouh. Alors, les dommages de combat infligés au contrôleur du monstre de type fée, donc elf, elf égale fée, ils ont juste changé le mot. Oui, t'inquiète. À l'issue d'un combat impliquant. Je voulais juste savoir s'il était indestructible comme le saut d'Oricalc. Ok, je vais faire ange lumineux. Et je vais attaquer à 1400. Oh non, c'est moi à 1400 dans la gueule de Xarai. Fin de tour. Tatoudoubane. Tita tita ben, webou tita tatoudoubane. Tu es avec mon mec? Tatoudoubane avec mon mec. Il a combien d'attaques? 1400, il est hyper fort. Non, c'est ton Némésis, rigole pas trop. Je vais jouer le dandy au diamant, héros de la destinée. Ta destinée est déjà en train de changer. Oh beau. Non. Il est en train de le faire. Une fois par tour, je peux regarder la carte du dessus de mon deck. Si c'est une carte magie normale, envoyez-la au cimetière. Vous pouvez activer ses effets durant la main phase de votre prochain tour. Oh là là. Oh, wow. Oh, c'est une carte magie. Ah, mais c'est pas une carte normale. Magie normale, donc. Et je la mets là. Ah, c'est une carte magie, c'était quoi? C'est terrain. Une carte magie de terrain, donc c'est pas une carte magie normale. Et si c'est une carte magie continue, ça compte pas non plus? Si. Normal, c'est carte magie comme ça. Toi. Ah, ici, d'accord. Ok. Hop, je me tape, c'est pour éviter de me gratter. Alors, Trish, tu n'as pas le droit de taper au premier tour, mais t'es con ou quoi? Zulu! Oh, tu respectes un peu les gens qui te font vivre au quotidien? Allez, à c'est toi. Vrai, c'est vrai. Putain! Non, pardon. À toi. Zari a joué en premier, il a passé son tour. Voilà, exactement. À toi. C'est cringe de ouf, okay. Hein. Oh, c'est joue cringe de le point de cupidité. Il joue à un jeu de cartes, c'est cringe, les gars. Putain, mais quel chien. Je pioche deux. Putain, j'ai la pire main. Je pioche deux. Je sacrifie ange lumineux. Non. Oh non, tu peux pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Et je joue par chat. Le dandy au diamant a combien d'attaques? 1400. Ah, non, alors, il faut savoir que tous les héros de la destinée sont des monstres qui puent la mort. Genre par exemple, regarde cette carte qui a 6 étoiles, regarde son nombre de points d'attaque. Et je joue par chat, le chevalier du ciel. Yes. Parcha, il a 1900 et il a perce def. Et quand j'inflige des dommages de combat, je pioche 1. Yes. J'attaque. Oui, c'est à chier. C'est nul à chier. Bah, c'est bien le principe du deck. Ah non, c'est juste pour. Okay. Ouais, bah, vas-y. Et je pioche 1. En fait, le attaque il perd 500. Il perd 500 directement. Xari qui passe à 6100 PDV. Non, excusez-moi, j'aurais pas dû démarrer au quart de tour. Mais, à moi. Mais c'est chiant parce que. Ok, je sais que des fois on se trompe sur des règles, mais. Essayez d'être attentif quand même, s'il vous plaît. Allez, Xari, c'est à toi. T'as pioché?
Ouais, Zizou gagne, ce sera par chat. Très bon. Comme d'hab. Alors lui, c'est que quand il y a ça qui fait son effet? Non. C'est tout le temps? Ouais. Son effet, c'est quoi, Zulu? Il perd Zef, et quand il inflige des dommages de combat, je pioche une carte. Je vais utiliser ça. Ouais, bien joué ça. Et je vais poser ça, et je vais dire à toi de jouer. Oh, quel tour phénoménal du côté de Xari qui ne laisse aucune chance à son adversaire. Merci. Mais là, il a Perse-Def. C'est un peu compliqué pour toi. Ouais, Xari. Mais bon, c'est soit ça, soit je die. Donc, au bout d'un moment. Encore une fois, c'est bien vu de ta part. J'ai vraiment une main. Je joue Mudora. Qui fait quoi déjà? Augmente l'attaque de cette carte de 200 points pour chaque monstre de type elf dans votre cimetière. Il n'y en a qu'un. Donc, il a 1007. Je vais attaquer avec Parcha. Et oui, c'est pour ça qu'il a tapé. Bien joué. Ça joue. Defensor. Bien. Héros de la destinée. On peut peut-être zoomer. On va voir tout de suite les effets de cette carte. Gargantuesque. Après, bon, cette carte est en position de défense face recto durant la stand-by phase de votre adversaire. Votre adversaire pioche une carte. Donc c'est chiant. Mais il a 2700, ce qui me permet de tanker et de lui infliger 800 points. 800 points de dégâts pris directement sur Zulu. Fin de tour. Et par contre, Zulu, tu pioches une carte en fait. Non, j'ai pas infligé de dommage de croix. Non, c'était. C'est si. C'est à ma stand-by phase. Oui. Oui, ta stand-by phase. Ah, c'était avant. Ouais. Mais il était en position de défense. Bon, réfléchis, hein. Non, mais il était en position de défense au moment de ta stand-by phase. C'est pas grave. C'est parce qu'elle était pas révélée que ça, et son effet marche pas. Parce que, genre, il a posé en mode défense, c'était à toi. T'es passé par ta stand-by phase. Oui, c'est ça que je veux dire. Mais elle était pas révélée. Allez, comme elle était pas révélée, c'est comme si elle existait pas, quoi. C'était juste une question. Y'a pas de soucis, mec. Tu sais que des gens se posent la question. OMG, 2700 sans sacrifice. Oui, mais. Oui, mais bon, c'est un peu. Dilut. Oh, Jiraya. C'est pas un mec qui a marqué ça, ça fait super plaisir. Oh, je sais pas quoi faire, gros. C'est le deuxième. Passe recto, merci. Je suis dans l'information. Il est dans la tourmente. Je le sens, Xari, qui est dans une. Dans une de mer. Comme une mer de noir. Vas-y, bah, je vais dire à toi. Attends, t'as combien de cartes en main, Xari? 7 déjà? Non, j'en ai que 6. 6. À toi, mon ami. Et c'est à. Je pioche. Il pioche, main phase, stand by phase, il repioche. Bam. Et là, je suis. Et là, il se met yam. Je suis pas mal, quoi. Je suis pas mal. Je m'en doute. Duel très rapidement. Mais malheureusement, je suis un peu keblo. Oh non. Après, on va pas. Non, mais là, en vrai. Malheureusement, je suis un peu keblo. Xari, me dis pas quand même que tu vas laisser Zulu te mettre au dos. Je vais au pied du mur. Jouer le sanctuaire céleste. Qui fait quoi déjà? Je lui prends pas de dommages de combat. Donc. Voilà. Putain. Et je fin de tour. Et tu fin de tour? À moi. Bien joué. Oh, Xari, t'es tellement fort sur le jeu. Xari qui va devoir jouer ce qu'il a dans sa main là, car ça devient complexe. J'ai joué ça. Oh non. Wow. Wow, guys. What a move from Xari. Oh, j'ai trop le seum, gros. Oh, in direct parce ride. Que je crois que j'ai que deux sanctuaires célestes. Yes. Oh, the cylinder magical is dead. Ouais, après, tu pioches donc ça va. Je vais en fait. Tu pioches. Et pioche encore. Tu sais comment je vais gagner? À la meule. Non, tu vas le faire meuler. Meuler. Là, j'ai des cartes qui ne combattent pas alors que pourtant c'est un deck qui combatte normalement donc. Titut. Qu'est-ce que Zulu, va falloir jouer quelques-unes de tes cartes car en effet tu es déjà à 8 dans ta main. Je vais jouer Vénus. Non. Agent de la création. Et qu'est-ce qu'elle fait cette petite Vous pouvez Vénus payer 500 points de vie pour invoquer spécialement une sphère mystique lumineuse depuis votre main ou votre deck. Je paye 1000 points de vie. Et t'en invoques deux. Et j'en invoque deux. Tu peux faire ça, t'es sûr? Eh oui. Y a pas trop noir dans le deck, yes. C'est vrai? Je crois, non, je crois qu'il y a pas. Eh bien, bon chance. Après, son board est bloqué, il a l'air bien puant donc. Non, parce que ça, après, il va sacrifier des lights et puis. Non, Xari! Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il gagne 200 points par elf dans le cimetière. Eh oui. Oui. Bien. Mais. Ouais. Oui, bah oui, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Yes. C'est chiant. Pourquoi il a invoqué ses sphères de Morse? Attends, c'est invoque SP. Donc je peux les mettre comme ça. Pardon. Oh là, tu fais un peu chaud. T'inquiète, mes monstres n'ont même pas 500 d'attaque. Fin de tour. Et c'est une fin de tour, un tour, ma foi, assez osé de la part de Zulu. On part directement du côté de Xavier, le joueur népalais, là, qui est dans une tourmente assez monstrueuse. Il a 7 d'écart. Bien joué. Pioche. Hop, et il repioche. Et là, on voit ça meule. Il a pioché tellement de cartes, gros, par rapport à moi. Mais c'est bien beau d'avoir plein de points d'attaque, mais. Non. Si on n'atteint pas les 2700. Je vais faire violent rage. C'est bien vu. Est-ce qu'il peut comboter peut-être? Et non, malheureusement, pas de chaîne. Pas de chaîne, rien n'est joué. Je vais faire trou noir. Ah là, je suis désolé, j'ai tout, mais je pioche tellement. Donc et là, là, c'est très bien vu. Après, tu moins une shot là? Non. Oh bah, ça va alors. Trou noir, c'est osé de la part de. Tant que j'ai 100 points de vie. Après, il a sûrement une deuxième carte de oui. Morse. Ah, il va faire que. Et elle va prendre 100 millions d'attaques. Je sais. Voilà, il décante déjà, regarde-le.
Il fait le gars. S'il me met 6100 dans un tour, j'ai à lui. Mais je ne pense pas. En tout cas, ce duel est un violent orage et non pas une tempête aujourd'hui. Là, je t'avoue que pour l'instant, je suis pas très bien, mais... Tu es un peu dans la tourmente, Xari, je le sens. Ouais. Je vais invoquer Mudora. Et encore une fois, Mudora qui est là. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je gagne 1200. C'est dans les cimetières ? Non, dans votre cimetière. Imagine, c'est... Donc je gagne 1200. Il a combien de base ? 2700. Il a 2700. De base, il a 2700. Ah, ouais. Non. Je vais faire Monster Reborn. Ouais, il m'en a invoqué un deuxième. Non. Ouais. Je vais aller chercher Parcha. Allez, petite bite. Ouais. Hop. Yes. Parcha, je vais lui équiper Cestus de Dalga. Équipable uniquement à un monstre de type elf, il gagne 500 points d'attaque. S'il inflige des dommages de combat à votre adversaire, gagnez des LP égaux aux dommages infligés. Oh là là, c'est il un très beau. Il a 2400. Tour. J'attaque. Et donc, Xari, je pioche 2400. Tu perds 2400 et je prends 2400. Et j'attaque. Et lui, il a 2005. Et il prend 2500. Yes. Xari, avec plus que 1200 points de vie. Fin de tour. Et là, c'est dur. Là, c'est dur. Ah, Xari, est-ce qu'on a une information à chaud, là, tout de suite ? Est-ce que ça sent la merde de ton côté ? Ah là, il tourne bien, le deck... Arrête de faire le beau, par contre. Deck elf. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, il est toujours très fort. Enfin, il est toujours intéressant, quoi. Oui, après, bah, t'as oui un c'est bon ça. Combo et il t'a fait meuler, ce qui fait que... Ouais. Et j'ai eu Monster Reborn, Trou Noir... Et Violent Rage. Hein. Et Violent Rage, donc... Bam, 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 bam. Alors, je vais jouer Esprit de la Destinée. Yes, il me permet de jouer Dandy au diamant car je n'ai aucun monstre héros de la destinée sur le terrain. D'accord. On va faire l'effet. Trou noir. Oh. Ah mais ça arrive au prochain tour donc c'est un peu chiant. C'est naze. Ensuite je vais faire Monster Reborn sur... Tu peux choisir de pas le faire l'effet de la carte que t'as pioché Xari ou pas non. Ah du coup tu seras obligé d'utiliser... Enfin, Je peux ne pas le faire. Ah, tu peux ne pas le faire. Mais de toute façon, je serai mort au prochain tour. Je vais jouer Commandant au disque et qui a 300 de défense et 300 d'attaque. Mais vu que je le joue depuis le cimetière, je peux piocher deux cartes. Oh, c'est bien vu ça. Énorme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas fait encore d'invocation normale. On est bien non, d'accord. Tu n'as fait aucune invocation normale. Xavier, combien fait tes monstres là 2005, 2004. Mais si tu tues lui en premier, il aura 2007. Ah, c'est et lui, il fait quoi, lui ? Il est perse def, et non, dès que je touche un pilier de dommage de combat... Se redonne des, en gros, il a 100 points de vie de moins, mais il se remet les HP en même. Donc c'est un peu chiant, j'avoue. Mais l'autre va passer à 2007, quoi. Ah, apparemment, ce monstre-là a eu un errata. Ouais, mais on s'en fout des ratas, parce que... Comment ça ? Tant pis, on verrait. Envoyez-moi les ratas sur Twitter, je regarderai à la fin. C'est quoi, les ratas ? Bah dites-le nous, au lieu de dire ça, ça sert à rien. Errata, ça a changé disque. Mais on sait pas ce que c'est. Get erraté, quoi. Alors, est-ce que je peux m'en sortir, là ? Mais de toute façon, l'errata, il a eu lieu pour contrer des combos dans les nouveaux decks. Là, on joue à l'ancienne. Cette carte vient juste d'être des bannes. Ça, oui, là mais, oui, oui, mais ça doit être un des combos, parce que clairement... Clash 2 qu'une fois par duel. Ouais, mais Osef, je l'ai qu'une seule fois. Excuse-moi, il y a eu un errata, Xari, tu vas pouvoir le faire. Ils ont raison de nous donner l'info. Non, le chat, vous cherchez la Mertz. C'est ça parce que c'est Xari qui joue, c'est ça ? Vous voulez le voir perdre ? Contre le franc de la destinée ? Non, je suis pas d'accord. Je pense que j'ai perdu. Hein. Non, Zulu va pas te tuer au prochain tour. Attends, j'aurai pas 100% de victoire sur la saison 2 de Club Yu-Gi-Oh! Non, parce qu'il reste encore une demi-heure et que je vais te soulever comme jamais. Bon, je vais. Je vais jouer ça, je vais. Ça fait quoi ? C'est gratte-ciel quoi, en gros je prends 1000 si j'ai moins d'attaque de base. Ouais. Je vais défausser ça et tous les monstres gagnent 800 points d'attaque. Oh ok. Je passe à 2200 et j'attaque par chat du coup. T'es à 2200 ? Tu passes à 2200 ? Je passe à 3200 du coup. Oh fuck man ! Pas mal. Sauf que j'ai perdu maintenant. Bah non. Pourquoi ? Ah, parce qu'il a énormément. J'ai 2700. Non mais il a 2700. C'était 3200, bon bah écoute. Oui mais 3200, plus peu que pour ce tour. Du coup je vais sacrifier ces deux monstres et j'ai invoqué lui. Pour ne pas mourir. Ok. Et je vais dire à toi. T'avais pas déjà invoqué. Attends Zulu il subit combien du coup t'avais 3200, ça fait 6, 7, 8, moins 800 pour Zulu du coup.
Joli calcul, Gigi. Moins 800 pour Zulu, mon je cher cherche. David from France. Attends, je vérifie. Xari qui fait un superbe bon, tour ici. Je vais faire ça et je vais prier. Ah non, par contre, en vrai, je suis désolé. C'est un peu sa marque signature. Et c'est un seul sacrifice. Un seul okay. sacrifice. Je défausse Zeradias pour aller chercher. Parchat. Un truc céleste. Parchat. Et je crois que j'en ai que deux. Et du coup, ton monstre passe à 2900, c'est ça, Zulu, parce que c'est un elfe également. Oh, j'ai chié dans la colle. Ouais. J'ai mis que deux sanctuaires célestes alors que. Ouais. Du coup, je suis baisé là. Là, je suis vraiment baisé. Bah non, mais ton monstre passe à 2900 points et je n'ai absolument okay. pas grand chose. Hein. Et t'as non, quand même un monstre à je sais pas combien de ouais, mais non, parce qu'au prochain tour, il y a trou noir. Du coup, techniquement, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois pas le reprendre en main? Non. Sachant que non, lui, non, bah non, sachant que lui, je peux pas le jouer s'il n'y a pas sanctuaire céleste. Non, je crois que la règle du coup, c'est tu fais l'effet, mais si tu peux pas le faire, bah tant okay, pis. T'as, ouais. fait le, t'as fait le coup sans faire le vrai okay. effet. Mais c'est parce que ça m'avantage un peu quand même pour ça, quoi. Parce qu'il ouais. passe à. Oui, oui, mais c'est ouais. pas 2900, mais ça change rien. Tu vas juste mourir. Oh, t'as juste perdu face au héros de la destinée suprême. Là, si j'avais un troisième. Xari héros des éléments. Là, je suis en train de tanker depuis tout à l'heure. Non, héros de la destinée. Déjà 200 points infligés à Zul. 200 points non plus mais si, il c'est heal. Que je me suis remonté quoi ouais, c'est mais je peux pas le savoir quoi. Ça en fait ça c'est du pipi de chat si mon je zouzou mon zouzou midi ouais, les zouzous bah, on y va bien. Je cède ça ouais ah quoi que non bah oui il y a trop si, noir si hein. si cède le ouais ah il y a trop noir non mais lui dis pas oh vas-y, ça va si si non mais c'est pas grave je fais ça ouais et je fais ça ouais. Regardez ce monstre ah oui qui corps un sacrifice et 800 points d'attaque yaaah. Voilà. Et il fait quoi? Vous pouvez retirer cette carte du jeu de, dans votre cimetière pour invoquer un malveillant, donc le en même. En gros, le même monstre. Mais ça coûte un sacrifice. Quoi. Ah, invoqué. Yes. Ok. Et en gros, ça pourquoi tu jouerais pas des transactions avec ça? Transaction, c'est 8. Ah. Xari, est-ce que tu actives fin de tour, un noir. Trou noir. C'est standby phase. Et il n'a pas le choix. Ouais, je sais. Mais bon. Bah, trou noir, hein, du coup. Trou noir. Okay. En vrai, je suis pas si bien. Eh non, je ne suis pas dueliste. Ceci est une descente de police, inspecteur McGonagall ici. Vous êtes en état d'arrestation, Zulu. Alors, il y a un mec qui l'a dit, il faut savoir le jouer, Walla. Walla. Walla, faut le jouer lui. Hein. Hi. À toi. Ah non. Non, Xari, pas à nous. Oh, oh, il est con. j'ai oublié de poser un monstre. À toi. Bah, je die. T'as un monstre à 1200. Ouais, oui. Bah, yo. Oui. Il tisse perdu. Alors, Zulu qui pose directement. Je paye 500. Non. Il pose Simone Veil directement. Et il va aller chercher. Simone Veil. Tu vas aller chercher ton dernier, en effet. C'est très bien vu. C'est un des meilleurs. Non mais je sais que malveillance est fort, c'est juste que c'est ridicule. Goodbye, my friend. Fin de tour. Non merde, je me suis gouré de monstres. Bah oui, j'allais dire. Gros. T'as l'air, t'as fait un sacrifice là. Et, fin de tour. Il avait pas d'effet, ouais, ok. Xari, attention. Et là, je suis dans mon deck, je suis baisé parce que j'ai mis que deux sanctuaires célestes ouais. et son typhon et son violent orage, ils sont passés. T'es dans. Ton comportement, bah ouais. Dégage de prévu, Zul. Bah, ah, il perd 500 pour on un rock. Comment ouais. ça Moins 500 pour Zulu. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai ça invoqué une sphère. Bon, je vais activer ah oui, l'effet de malveillant pour invoquer malveillant. Non. Qui a déjà 800 points. En mode attaque. Il y a Lucas 1704D qui me dit cherche plancho Yu-Gi-Oh sur 3. Bah, n'hésitez voilà. pas. N'hésitez pas le MPS. Vous avez un deck très chaud. Bon, malveillant qui est là, yo. En plus, je l'ai pioché donc ça fait ziz. Et il est retiré du jeu directement. Et ça, c'est super beau. Xari, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire? Je vais jouer Captain Tenace, héros de la destinée. Je vais attaquer Captain Tenace ici et Malveillant ici. Ah oui, et ça passe parce que tu prends 1000, quoi. Hein? Ça passe parce que tu oui. prends 1000 avec le... Je prends 200 en tout, puisque c'est plus 1000. Et Captain Tenace, c'est une fois par tour. Si un monstre héros de la destinée que vous contrôlez, excepté cette carte est détruit au combat ou au cimetière, vous pouvez faire l'invocation spéciale de ce monstre pendant... Là, en fait, sans là... Place. Alors du coup tu perds combien Zulu par contre? Il avait combien toi? 200. J'ai perdu 200. Moins 200. En fait le problème c'est que toutes mes billes ils sont passées quoi. Ouais, à toi. J'ai tout mis. J'ai tout mis. T'as été un peu trop pressé si je puis me permettre. Ouais ouais c'est ça ouais. Ta destinée avance. Bon après j'ai que 1200 points et j'ai vraiment des monstres de mort et j'ai toujours pas de carte en main pour comboter de mort. Tes monstres sont assez impressionnants quoi. En fait le principe du deck héros de la destinée c'est que des monstres de merde. Ouais. Mais en gros t'es censé les invoquer rapidement pour après les sacrifier. Et invoquer un monstre qui lui fin est fort. Ouais. Ou alors le faire des invocations fusion. Mais en fait, les problèmes des invocations fusion, c'est que c'est des cartes trop récentes. Donc là, c'est un deck héros de la destinée old school, mais qui pue un peu sa mère. Ok, à moi. Xari qui est. Chip leader, là, tout de suite. À toi. Bien content d'avoir pioché cette merde. Et c'est reparti pour ça.
Je sacrifie. Oh. Heureusement que je peux le poser. Pour invoquer Tethys, déesse de la lumière. Tethys. Si on peut zoomer. Qui a un effet fort cool. Lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres de type elfe, vous pouvez en révéler un et piocher. Ah oui, donc tu veux vraiment te meuler, quoi, parce que. Eh ben, ouais, t'as mais pas bon, le choix, quoi. Faut que je le tue maintenant. Est-ce qu'il va attaquer, sachant qu'il y a une carte. Je vais passer. Oh, il passe. Un joueur de poker. Je pense que c'est un bon choix. À toi, hein. Zoulou. Je pioche. C'est un monstre. Et du coup, ça fait quoi? Il pioche. Ah, tu pioches. Oh, je peux pas. Mais ça, montre pas. Tu peux le montrer à l'infini? Bah, oui, je pense. Ah, ouais. Ah, oui, c'est pas mal. Ok. Je pense. Il n'y a aucun souci, mec. Attends, c'est pas marqué une fois par tour, vous pouvez piocher une carte, c'est pas ça? C'est pas spécifié, quoi? Non, lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres de type elf, non, c'est à l'infini. Ah, c'est, en plus, il y a marqué un ou plusieurs monstres, donc c'est très clairement. C'est fort. C'est quand même pas mal fort. Ouais, mais là, je suis baisé de ouf, hein. Je vais 7 ça et je vais dire fin de tour, quoi. Mais le pire, c'est que je pense que le chat croit en toi encore. Avant la fin de mon tour, est-ce que du coup on fait la règle du de l'Erata ou sans l'Erata? J'en sais rien. Choisis, bah, gros. En vrai, on a dit que c'était l'Erata a été fait il y a pas si longtemps, donc. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on fait, enfin, ouais, il faudra juste retirer la carte. Je pense qu'il faudra l'enlever, ouais. Ouais, parce que du coup. Si bah, écoute, pour ce moment, nous faisons sans la règle de l'Erata, je vous étais d'accord aussi. Oui, vas-y. Ok, bon, du coup, bah, je l'invoque avec appel de l'être hanté. Et du coup, je pioche 2. Oh. Ça, c'est une carte très intéressante. Est-ce que ce serait la fin pour toi? Je vois pas ce qui peut me sauver. C'est un duel rétro, en effet, les amis. Je vais jouer un héros que vous connaissez depuis très longtemps. Le héros. Attends, oui, le héros Herman. Non, Herman. Héros des éléments qui a fait son retour dans Yu-Gi-Oh! Il a été unban! Et ça fait plaisir à beaucoup de gens. Héros des éléments! Le seul héros des éléments qui va peut-être m'aider ici. Je vais détruire, évidemment, ton épée de révélation de la lumière. Grâce à sa magie. Puis je vais invoquer, en sacrifiant le commandant des disques. En sacrifiant. Attends, t'as déjà invoqué. Oui, mais c'est une invocation spéciale. J'invoque le grand, le tout-puissant Dogma, héros de la destinée. Oh, elle a vécu aussi celle-là. Dogma. Cette carte ne peut pas être invoquée normalement ni posée. Cette carte peut être invoquée que spécialement en sacrifiant 3 monstres, dont au moins un de la héros de la destinée, pardon. Cette carte est invoquée par invocation spéciale, divisé par 2 les life points de votre adversaire durant la prochaine standby phase. Oh, hello damn. Guys. Daniel Dogma. Oh, ça me plaît tellement. Waouh! Je le remets là, même si on. Mais du coup, tu peux encore invoquer normalement là? Non, mais j'ai invoqué Herman, normalement. Ah oui, excuse-moi. Bien joué. Grâce à Dogma, je vais détruire ton elfe. Quoi? Il y a combien ton elfe? Bah, il a 3004. Oui. Et ton elfe, il a 2004. Ah oui, d'accord. Allez, c'est moi! Dogma! Moins 1000! Moins 1000 dans la gueule de Dogma! Ok, je suis pas bien. Et je vais rien faire. Et donc, c'est à Zulu! Zulu qui perd 3050 points de vie. Et Zulu qui passe à 3050. Ah merde, pardon, PDV. J'ai oublié de set ça. Ça change pas grand chose, mais attends. Et c'est à Zulu de parler. Attends, je vérifie. Exari qui nous fait une remontada. Yes, okay. Non, le terrain ne fonctionne pas, les amis. Le terrain de Exari lui donne 1000 points de plus si son monstre a de base moins de points de vie, de points d'attaque que l'adversaire. Non, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il a 3400 et de base. Et du coup, là, tu divises par 2 là? Voilà. Non. Là, c'est toi qui as dit. Là, c'est déjà été divisé par 2. Je vais poser ça, je vais attaquer avec Dogma. Non. Ici. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être l'erreur de trop. Pas mal. Oh non, elle sera en mode attaque. Ouais, mais. Ouais, mais. Non, invoquer spécialement un monstre de lumière. En mode attaque. Non. En position d'attaque face à toi. Voilà. En mode attaque. En mode attaque. Ça me permet de voir mon deck. Les boutons. Ah, okay. Ça me permet de voir mon deck et voir que j'ai bien perdu. Ta destinée aurait-elle changé? Ah non, j'ai pété un truc pour gagner. Tac, 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 tac. Je vais maintenant jouer. Attends, tu t'attaques pas? Je vais pas jouer ça. Dans Battle Phase, quoi. Hein? Ils sont passés où? T'es 100% de win rate. C'est pas fini, Xoro. Je vais attaquer ici. Tu vas attaquer ici? Ouais, avec Herman. Avec, oui. Herman. Oh!
Et c'est difficile. Il te reste 200 petits points de vie. Moins 1000 sur Xari, car le marshmallow is here, guys. Xari, t'es passé à ça de l'incident diplomatique. Ça. Et Xari, que va-t-il faire? À toi. Tu prends pas la... Bah non, il est en mode défense. Tic-tac. Je sacrifie Ange Lumineux. Enfin, ok. Oh, Parcha! Le chevalier du ciel! Rappelle-toi, Parcha. Il a juste un perse-défense. Perse-défense. Oui, hein. Mais il a deux cartes 7. Et Xari te regarde avec un regard rassuré. Attaque donc. J'avoue, j'ai peut-être fait le fou. Ce qu'il attaque a la tête. Attaque donc. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Attaque. Ok, Parcha. Attaque ici. Et malheureusement, c'est tout simplement... Oh yes! Gagné! Yes! Putain, j'ai failli pas attaquer! T'avais rien du tout? Et je suis! C'était quoi ta carte de piège? Zulu Monto! C'est un truc, ça va. 100% de win rate dans la saison 2 de Club Yu-Gi-Oh! C'est pas fini! Qui peut me test là? Bah, tout le monde. Qui en fait. Peut me test? Dans l'effet de Dogma, c'est qu'une seule fois, hein, je crois. Oh, j'avais encore un moyen de revenir. Par contre, t'as quand même failli perdre contre le deck le plus trash tier possible. Oui, mais et alors, je vais te révéler une petite carte qui s'appelle Mars. Agent de la force qui me permet d'avoir le nombre d'attaques équivalent à la différence entre nos deux points de vie. À un moment j'avais genre presque 8000, t'avais 1200, mais il faut juste le sanctuaire céleste sur le terrain et je l'avais juste pas. Donc bien joué à toi, Xari. On fait quoi? On fait moi contre Jiraya? Ouais. Bah, thank you, friends. Attends, n'oubliez pas que juste après, on fera un super tournoi FIFA 19 tous ensemble. 8 joueurs, ça va être excellent. Même si les jeux de foot, on en a rien à foutre. Allez, c'est parti. Xari, est-ce que tu veux que tu m'autorises à rejouer le même deck, Xari? Tu vas rejouer le même deck, toi, ou pas? Je peux rejouer le même, ouais. Bah, moi, je vais rejouer le même aussi. Comme ça, tu vois, je me serais un petit peu habitué. Et t'es un peu naze. Allons-y. Mais... Non, moi, j'ai bien apprécié. Il y a eu des moves. On voit que Xari a une intelligence, de jeu assez maîtrisée. J'ai chaté, on va pas se mentir. Non, t'es juste là, en fait. T'es juste Al, t'es juste le jeune. En vrai, le problème, c'est que... Il n'y a pas de problème. Cette explosion... Ouais, en fait, j'avais oublié qu'il avait par chat, mais... J'aurais peut-être pas dû poser, mais le problème, c'est que je peux pas gagner, en fait. Enfin, j'ai rien pour détruire ces monstres. Je réfléchissais. En fait, son marshmallow, je vois pas comment je pouvais le passer dans mon deck. Je réfléchis, mais de toute façon, je pense que je ne pouvais pas le passer, son... Son marshmallow. Je regarde vite fait, hein, désolé. Vas-y, regarde. Ah, j'ai de la chatte sur le marshmallow. En fait, le j'ai aucun anti-monstre dans le deck, donc ça manque peut-être un peu. Xari, est-ce que tu veux Yugi ou le stream? J'ai un anti-monstre, mais pas de... Le Yugi ou le stream? Moi, je suis le stream. Le stream, c'est parti. Le stream zéro. Ouais, je pense que je ne pouvais pas passer, de toute façon. Ce sera Yugi. Eh ben, je vais... Tu n'arrives jamais à lancer cette pièce. Je vais commencer, ouais. Vas-y. Tiens, je te laisse couper. Non, vas-y. Oh, bah c'est... Franchement, c'est super sympathique. En vrai, j'aurais pu peut-être gagner à la meule. En laissant que Dogma. Non, mais sans déconner, en vrai. Est-ce que t'avais un truc pour passer 3400? Est-ce que t'as un truc pour détruire Dogma? Non, mais je pouvais peut-être te burn. Ah, 200, ouais, j'avoue que 200 c'est peu. Je pouvais peut-être te burn. Tu pouvais peut-être genre flip marshmallow et le reflip en mode. Bah non, si tu me le rattaques pas, je peux pas. Ah, ça, mais c'est pas quand ça flip. C'est que quand il attaquait. Okay. Bon, on va tenter. Hein. De toute façon, ce deck-là, comme on a dit avec Zulu, on l'a. On va le tester. Je l'ai fait en fonction de l'animé. Et là, dans l'animé, il pioche évidemment tout le temps la bonne carte, donc c'est très dur. C'est un des seuls decks où les monstres sont en un seul exemplaire. Il y a plein de monstres différents, héros de la destinée, mais ils sont qu'en un exemplaire parce qu'ils sont très mauvais. Alors, on me demande un deck Bête Gladiateur. J'ai quelques cartes Bête Gladiateur, je sais pas si j'ai tout. On me dit qu'on a peut-être une base de deck pour moi. Contacte-moi en MP sur Twitter. Je vais jouer directement Pot de Dualité. Et donc. Oh, Bannisseur of the Radiance. Grain interdit et sarcophage doré. Alors je réponds à NVF qui me demande si j'ai fait mon deck elf avec la base du starter deck lumière. C'était le cas pour l'ancien deck en enlevant bien sûr toutes les cartes trop récentes et trop fortes. Eh bien, mais là je suis complètement changé. Oh dis donc. Qui me semble assez intéressante. Qui est une des cartes les plus fortes. Je crois qu'elle est encore en une seule fois parce qu'elle est vraiment très forte. De quoi? C'est la carte qui, dès qu'elle est sur le terrain, tout est banni, mais c'est un monstre qui a 1900 d'attaque. Yo. Non, 1600. 1600, ouais. 1600, zéro, là. Elle a pas plus de base. Okay. Dès que 6 samouraïs, je ferai certainement avec les synchros. Quand Fren serait synchro. Bon, alors. Eh bien, je vais tout simplement jouer
Banisher of the Radiance. Ah, qui a mis 6 sorts. Je m'en serais douté. J'ai joué cette carte. Et je vais dire à toi, mon cher ami. Et je vais dire à toi de jouer. C'est à moi déjà ? Yes. Ça allait très très vite en effet. Je suis maître de ma destinée. Et il y a une carte que vous n'avez pas vue qui est évidemment dans l'animé, c'est la tour de l'horloge. La tour de l'horloge qui est très forte, mais qui n'est pas été dans ma main. Eh bien, je vais tout simplement attaquer et dire à toi, mon cher ami. Je prends moins 1006. Moins 1600. Oubliez pas qu'il y a un sondage sur mon Twitter pour savoir quels sont vos decks favoris. C'est marrant. Je vais de vous les présenter. Je vais jouer le seigneur de la damnation. De la damnation qui est un héros de la destinée. Une fois par tour, si cette carte est en position d'attaque phase recto, vous pourrez retirer du jeu un monstre contrôlé par votre adversaire. Si vous utilisez cet effet, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque ce tour et le monstre retiré sera envoyé sur le terrain de l'adversaire dans la même position de combat durant votre deuxième stand-by phase. Donc en gros, tu le retires du jeu et il reviendra ici dans deux tours. Et je dis à toi. C'est fort quand même. Enfin, je veux dire, c'est... C'est un des meilleurs... C'est pas mal. ...de la destinée parce que ça... Tu peux enlever un énorme ton gratos, quoi. Je tu le poses et t'es en mode... Ok. As-tu un deck Buster Blader, Zoops? Pas l'archétype Buster Blader, mais j'ai un deck qui va arriver... Il y a combien d'attaques? Il y a peu d'attaques, quand même. Avec un tous les monstres Buster ont zéro d'attaque. Hein. D'accord. C'est que des monstres de mort. Je vais jouer l'assaillant Di. Ok. Je vais attaquer. Ok, donc nos cartes sont bannies. La tienne aussi. C'est pas si tu veux. C'est lorsque cette carte est détruite au combat avec un monstre. Ah non, c'est lorsqu'elle est détruite au combat, excuse-moi. Elle est pas détruite. Bannissez le monstre et bannissez aussi cette carte. C'est en même temps quoi. Et du coup, elle est au cimetière. Attends, 700, ça fait. T'avais combien ? 600. Ok, tu prends 1100 points. Je prends 1100. Moins 1100 pour Xari. Mais j'utilise le signal de la destinée lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière. Invocation spéciale. Invoquez spécialement un monstre héros de la destinée de max niveau 4 depuis votre main ou deck. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu fais. Elle a combien? 1700? 1700 en effet. J'ai aucun monstre qui a 1700. Yes. Qu'est-ce que je vais pouvoir invoquer? Je réfléchis. Je vais invoquer Dandy au diamant. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça fait? C'est, c'est celui qui permet de. Je prends la carte, je la retourne. Si c'est une carte magie, elle va au cimetière. D'accord. Je peux utiliser son effet. Pendant ce temps de my phase. Du coup, je vais dire à toi, mon cher ami. Yes. Je termine ainsi mon tour. Hop. Ok, énorme. Zut. Je pioche. Puis, je révèle une carte. C'est une carte magie. Ouais. Je défausse un héros de la destinée et je pioche deux cartes. Je pourrais le faire à la prochaine standby phase. Encore un deck, un secteur gars, ça va arriver. Très bien. Je vais maintenant passer Dandy au diamant en position de défense. Et du coup, je la récupère pas à ce tour-là, mais après, c'est ça? Ouais, là, on est à 1 et au prochain tour. Ok. Et je vais... rien faire, yo. À toi de jouer. Merci, mon petit pote. Yes. Des cookies trop récents. Je m'appelle Jean-Louis. Oui. Pas de deck fossile de prévu pour l'instant. J'invoque Tokma, héros de la destinée. J'invoque Bazou, le mangeur d'âmes. Salut à toi, Bazou. En fait, j'ai juste à bannir des cartes du cimetière. Je peux bannir jusqu'à 3 pour gagner des points d'âme. Enfin bref, j'ai rien, donc on s'en bat les couilles. Et avec mon ami Bazou. Attends, il a combien? 1600. Non, j'ai plutôt avec l'assaillant. Excuse-moi, je vais attaquer ici. Et tu perds 100 points plus 1600, 1700 en tout. 1700. Et ainsi s'achève mon tour. Non. 1600. Bah, il a 1700. Oui, mais il est en def. Ah oui, bah oui. J'étais encore dans le mode. Non. Yes. Excuse-moi, rajoute 800. My bad, j'étais en mode basse. Ouais, je perds. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi, en effet. Je pioche. J'ai rien pu faire. Standby phase. Ton monstre revient. Et je pioche deux cartes car j'active l'effet de la magie. Ouais. En défaussant évidemment un monstre. Parce qu'il faut quand même que je fasse l'effet. L'effet est défausser un héros de la destinée. Donc je défausse Malveillant, héros de la destinée. Très bien, vite ta part. Ensuite, je vais jouer Trou Noir. Et franchement, c'est une très belle utilisation du Trou Noir. Que je vois ici. Cimer. D'accord, du coup,
Elle va là, et celle-là va là aussi, du coup ça marche. Ouais, je crois que ça marche. C'est ça. Ah, c'est toutes les cartes, c'est même pas les monstres. Toutes les cartes. Ah oui, c'est fort. Ensuite, je vais jouer... Je vais jouer ceci. Et je vais dire à toi. En fait, je pense que le deck est ok, mais il faudrait peut-être que je mette plus de monstres forts. Parce qu'en gros, là, il n'y a que 3. Il n'y a que 2 monstres qui s'invoquent avec les sacrifices et tout. Mmh. Et du coup, il faut que j'aille les chercher. Quand je les ai pas, bah, j'attends. Alors, je sais pas pourquoi il y a un mec qui dit pas de défausse. Gigi, il triche, ça se voit tellement. Apparemment, il faut pas que je défausse. Récupère via Dandy, il n'y a pas de défausse. Tu dois pas faire le coup. Ah, Dandy, il a un truc. Non, Dandy, c'est le truc. Bah, arrêt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, défausse. Allez. Ça change rien, mais. Ok, je pensais que tu faisais l'effet de la carte magie. Ah ouais, tu peux activer les effets, mais tu actives peut-être pas les coups. Du coup, c'est fort. Oh, c'est pas mal. Pas mal. Dandy est pas mal. Après, en vrai, le coup est pas mal pour moi aussi parce que je défausse des cartes qui sont nazes, qui font des effets dans le cimetière. Alors, pas de défausse car on applique l'effet, pas le coup. Je vais faire ceci. Bien. Ok, c'est pas mal. Yes. Et je vais. Je connais plus ces cartes. Ah oui, du coup, c'est fort avec pioche à dessiner quoi. Ouais, mais pioche à dessiner c'est bien aussi parce que moi j'ai besoin d'envoyer des monstres dans le cimetière. Ah, invoque Bazou. J'attaque. Bah, je vais détruire. Voilà. Parfait. À moi. C'est à toi. Oh, c'est marrant ça. Je vais jouer confiscation. Je paye 1000 points de vie et je regarde ta main. Ouf. Puis je défausse une carte que je veux. Oh bah. Quelle carte va-t-il défausser? Je me demande. Alors, Zarek qui réfléchit, qui regarde sa main. En vrai, j'ai une main correcte, mais... En vrai, t'as tout intérêt à défausser une certaine carte. Bah, vrai. Je défaussais ça. Hein. Bah, voilà. Sur un certain. Après, voilà ce qu'il avait. Hein. Violent rage. Ouais, j'ai violent rage. Et après, mais justement, sacrifice, donc du coup. Surtout violent rage, en fait, j'ai aucune carte qui reste, moi, là. Donc, ouais. Et donc, t'as mis une confiscation dans le deck. Ouais, c'était dans l'anime, il l'utilise, je crois. D'accord, ok. Une fois. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Ensuite, je vais jouer ceci. Et je vais jouer. Et je vais jouer ceci. Chacune de mes cartes retirées du jeu, j'en ai combien? J'en ai 3. À toi. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Et en avant. C'est pas mal. Le deck mort. Et c'est à toi. Tronic est un deck où les monstres ont des effets différents par rapport à leur position. Très bien. Très bien. Et c'est à toi. Et c'est de très beaux tours qu'on propose. Bah, le problème, c'est que moi, je dois aller choper de la cartoon, comme on dit dans le milieu. Et c'est à toi. Attends, t'as combien de cartes en main? 4. Ok, ben c'est à moi. Et... Oh! Ah ouais, mais c'est chiant parce que t'as violent rage. Non. Bon, je vais quand même là. Attends-te là, franchement, Xari. Ça coûte rien, hein. Tiens, je vais détruire ça. Celle-là? Ouais. Grave erreur. C'est une carte de mort. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant et bannissez-le. C'est pas mal, mais bah, à toi. Ah oui, c'est très bien. À moi. Oh, belle. Pas de monstre fusion dans le deck destiné, non. Normalement, il y en a, mais c'est des cartes trop récentes pour comboter avec. Et d'accord. Du coup, on s'est dit que ça allait être trop fort, entre guillemets. Il y a des decks héros de la destinée qui sont forts, entre guillemets. Pas dans la méta actuelle, mais j'ai vu des monstres en mode. Enfin, des cartes en mode. Yo. Ah, qui ont un effet surdimensionné, quoi. Je vais jouer. Je vais jouer la prison de la tour de l'horloge. La fameuse carte magique que l'on voit dans l'animé. Je te laisse zoom. Et qui fait quoi? Oula, il y a un prix Goncourt dessus. C'est pas très très compliqué. Je place un compteur horloge sur cette carte durant chacune des stand-by phases de mon adversaire, donc toi. Tant qu'il y a 4 compteurs ou plus sur cette carte, vous ne recevez aucun dommage de combat. Lorsque cette carte avec 4 compteurs, horloge ou plus est détruite et envoyée au cimetière, faites l'invocation spéciale d'un maître de l'effroi, héros de la destinée, depuis nom, deck ou main. Ouais, c'est celui. Il me semble qu'elle coûte un peu cette carte. Hein. Genre, elle est pas mal en vrai. C'est après, entre 3 et 5 euros, je crois. C'est pour ça que t'as dit que j'ai violent rage, c'est chiant. Ouais. Mais bon, pff, je la mets parce que. Exact. Bah, là, si tu détruis, tu détruis 2 de tes cartes, donc techniquement, c'est quand même value entre guillemets. Bien sûr. À toi, du coup. Et c'est à stand-by phase, du coup, je mets un compteur. Yes. Et ça, c'est dans l'animé. En gros, dans l'animé, il la pose et ça fait tic 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 tic. Et puis quand ça arrive, il fait. Et j'invoque le maître de l'effroi. Et t'es en mode yes. Yo. Ok, bah, toujours plus de cartes mage.
Ok. À un moment, il va faire un combo. Là, il va avoir 500. Ah, mais non, 500. attends, excuse-moi. Je fais une grosse connerie. Je m'excuse auprès okay, de Def tous Win. Les gens. Defwin, juge. Je te prie de m'excuser, Xari. Je vais juste faire ça et ça plutôt. En fait, j'ai besoin de ça pour faire destruction de cartes. Ok. Ouf. Xari qui défonce combien de cartes? 4, 5, 6. Et toi, tu défonces combien de cartes, juste? 3. En vrai, ça me va. Parce que... Ah, il y a Zenko. Ouais, merci Zankyo. Zankyo qui me dit que l'émission est trop bien, ça me fait trop plaisir. Merci, ça me fait trop plaisir que tu joues à Yu-Gi-Oh! En plus, Zankyo. C'est bon ou pas, mon ami? Attends, excuse-moi, j'ai une carte que je ne connais absolument pas. C'est quoi? D'accord, ok. Je vais pas te le dire. Parce qu'il y a Xari en fait, en face, c'est mon ennemi. Tu pouvais me la montrer, mais. Non. Oh. Ça a l'air d'être une carte pas mal. Apparemment. Ah oui, c'est fort à la base. Ouais. Putain, j'ai chopé une carte, c'est la seule que je voulais pas. Existe-t-il déjà un deck Amon? Oui. Tu peux pas utiliser le dé comme compteur, il est banni. Le dé est banni. Le dé est ban. Est-ce que tu peux jouer cette carte ou tu peux fin de tour et je fais mon tour? Non, je peux pas. Mais attends, non, juste faire ça. Ok. Et je vais dire fin de tour, vas-y, à toi. T'attaques pas avec? Non, je n'attaque pas, parce que sûrement ta carte à 2700, j'ai pas envie. Eh bien, je vais jouer Violent Rage. Oh! Bien joué, mec. Merci. Est-ce que tu peux chaîner un truc? Est-ce que tu peux chaîner quelque chose? Chaîne avec rugissement menaçant. Ouais. Ça sert à rien, mais bon. Non, bah, si, il peut pas attaquer. Hein. Oui. Et attends, est-ce que je vais pas chaîner avec Violent Rage? MDR. Par contre, du coup... Je chaîne avec rugissement menaçant. Ah oui, t'avais de la cartoon. Et après, c'est normal, destruction. Et je chaîne, non, je peux pas du tout. T'avais destruction de cartes, donc c'était logique. Ouais. Ok, je vais jouer maintenant le dandy au diamant. Et je vais faire son effet tchiclac. Et ce n'est absolument pas une magie. Dommage. Ah, du coup, tu la remets en dessous ou tu mélanges juste? Placez-la sous votre deck. Je sais, je crois que c'est pas marqué mélanger, donc je ne mélange même pas. D'accord. Ensuite. Attends, excuse-moi, il faut que j'aille checker un truc. Il n'y a pas de souci. Je vais jouer pioche de la destinée. Je vais dégager. Je vais dégager Maître de l'effroi, que j'ai pioché, j'étais bien déçu. Et du coup, je pioche deux cartes. Un, deux. Ah merde, j'en ai deux. Oh, quelle grave erreur. Quelle grave erreur. Bah tant pis. My bad, je pensais que j'en avais qu'une. Ah du coup, bah elle sert plus à rien, mais bon, je la pose quand même. Celle-là? Bah en fait, elle invoque elle, mais je viens de la mettre au cimetière. Ah ouais, bah, ok. Yes. Après, je pourrais peut-être la renvoquer à un moment, je ne sais pas comment. Et je vais te dire à... Toi, mon ami. Non, il peut pas chaîner Violent Rage étant donné que Violent Rage. Non, mais non, c'est pas une carte, c'est une carte magie normale. Donc ça ne marchait absolument pas. En effet, les petits potes. Vas-y, mon pote. Putain, il manque une carte là, il me manque Dogma. Et peut-être que. On a bientôt fini, yes! Après, il est 21h30. Pour l'instant, c'est Gige qui gagne avec une très, très grande facilité. Et ouais, c'est ça. Non, c'est Dragon Noir aux yeux rouges. Ah mais Gige là il va pouvoir sacrifier ses trop filles. Récent psychique comme deck. Il est chiant. Et des micros sur les côtés apparemment. Je sais pas où c'est. Oui ça sert pas à rien mais si tu peux pas invoquer je sais. Mais si tu peux pas invoquer mettre de l'effroi c'est moins bien. Je pensais que j'en avais mis qu'une. My bad. Alors Gigi. Bon Gigi t'invoques ton Caius, tu me bannis ma carte. Allez vas-y dépêche-toi là. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Oui. Malheureusement. J'ai combien de vie moi? J'ai beaucoup? Ouais, ok. J'ai ça. Ouais, yo. J'ai attaqué l'ange lumineux, monsieur. On est détruits tous les deux. Mais du coup, je vais chercher une carte. Ouais. Qui a combien? C'est 1500 d'attaque. Ou moins. Mais il faut qu'elle soit en lumière. Et souvent, c'est utilisé pour ramener. Oui, en ramener un, mais je sais pas si t'as d'autres. Voilà, le mieux, c'est d'en ramener. Hein. Ouais, c'est pour avoir toujours du board, je sais, my friend. Mais ah, c'est surtout pour envoyer des trucs au cimetière pour ensuite les bannir. Mais franchement, Zulu, putain, j'ai bien joué en fait, juste j'ai pas les mots encore une fois. Vais-je réussir à invoquer Dogma? Et surtout que tu peux attaquer avec là. Oui, bah là t'es en battle phase, du coup tu peux attaquer encore avec. D'ailleurs, je suis en train de construire un deck sur une combo. C'est vrai, mais je vais attaquer avec derrière les fagots. Et c'est ta carte à 2700, mais elle est bannie, et moi aussi. Mais tu après calcul quand même, des dommages. Donc je prends 5, 7, 1500. Je perds 1500, elle est bannie. 1500. Oui, ben, ça change pas grand chose. Si, ça change énormément de choses pour moi. Fin de tour. Ok.
Bon, j'ai pas beaucoup merci. J'ai pas une main de ouf. T'as pas attaqué, merci. Mais Ah oui, c'est vrai, putain, bah ouais, bon. Tant pis. Je le fais pas. t'as raison, j'avais oublié. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est une erreur de ma part, il garde 1400. Yes, je suis le boss. Après, si. J'aurais peut-être dû gagner grâce à ça, mais bon. Est-ce que tu m'autorises à regarder mon deck? Parce que je sais pas, tu m'as pas autorisé à attaquer. Ah, ok, y'a pas de soucis. je vais jouer à Marchand de Peur, j'attaque. Il fait quoi? Il fait rien, je me suicide, mais il peut invoquer. Non, mais il me suicide, il tue pas ta carte. Ah, il avait pas j'invoque, je fais une invocation spéciale d'un héros de la destinée. Ah, c'est dans ma prochaine main phase. Ouais. Donc c'est pas maintenant en fait. J'ai deux doigts de boubou. Gros, c'est serré, je pense que ça arrive à me retourner. Mais j'ai perdu du coup 400. J'ai perdu 400, exactement, il perd 400. Merci la régie. S'il n'y a pas de monstre face recto sur votre terrain qui inclut héros de la destinée. Dans son nom de carte, vous pouvez faire l'invocation spéciale d'un monstre de niveau 4 au moins qui inclut héros de la destinée dans son nom de carte depuis votre main. Et j'invoque du coup Marchand de Peur, héros de la destinée depuis ma main. Et lui, il a fait un effet quand il va au cimetière. C'est la même chose. Quand il va au cimetière, je pourrais invoquer pendant ma prochaine stand-by phase. Ah, ta prochaine, ouais. Okay. Du coup, s'il meurt là, ce coup-là, ce sera ta stand-by phase là. Ce sera à deux. Ouais. S'il meurt, hein, mais là, c'était juste pour me défendre parce qu'en fait, je vois que j'ai 2300 points et que du coup, tu peux peut-être juste me tuer. Et que je suis vraiment dans la merde. Alors, putain, j'ai une carte là qui est dans l'animé qui est marrante, mais il y a pas. Ça aurait bien aimé que tu joues un énorme ton contre. C'est les marrantes, mais. Je joue l'absorption de l'âme. Salut, tu vas pas gagner. Ensuite, j'invoque le visage nécro et on récupère toutes nos cartes bannies pour les remettre dans notre deck. Zari. Ok. Les remélanger, donc 4 et t'en as 2, 6 et il gagne 100 points pour chacune. Donc il passe 600, passe à 1800. 1800, ok. 1800 sur le visage nécro. Yes, yo. T'as juste qui peut se mettre bien sur une petite combo là. Voilà, ouais. J'ai rien qui est pas mal. Il va en avoir fait, cette carte, elle est très dure à utiliser quoi. Enfin, c'est trop cher, je trouve. Mais bon, allez, il baisse ma mère. Ouais, j'attaque avec l'ange lumineux ici. Et ensuite, j'attaque avec le visage nécro qui a 1800. Tu subis 1800. Oh, ça fait tellement de damage. Et en vrai, j'aurais gagné si j'avais. Oh putain, j'ai tellement déçu. À moi? Oui, c'est à toi. Je pioche. Donc, j'invoque spécialement deux monstres du coup. Deux monstres héros de la destinée. Alex, il y a 500 points de vie, va-t-il Ah putain, j'avoue, on a 4 minutes revenir. De retard. Ouais, yes, c'est vrai. Excusez-nous. Après, il y a le tournoi. Et ça va être aussi dingue. Ouais, c'est marrant. Ah, ça va être une ambiance de folie dans le stade. C'est depuis le cimetière. Ah oui, depuis le deck. Ça change tout, là. C'est ça. Ouais, ça change tout pour moi, en fait. Ça change tout. Avec Zari qui s'est bien gardé de me le dire, dis donc. Ouais, ouais mais je savais pas. Yes, yo-yo. Putain, si j'avais cette carte. Si j'y perds, c'est horrible. Bah non, c'est le jeu. Hein. Moi, vous savez. C'est juste, moi je suis pas un mauvais joueur, y a pas. Moi je suis là juste pour m'amuser avec mes potes. Hein. Après tout, on est le WebTV du monde de potes. Hein. Je vais invoquer. Qu'est-ce que t'en penses? Dandy au diamant. Ouais. Et seigneur de la damnation. Lui, quand il est banni, il se passe quoi? Vous bannissez 5 du dessus. Ouais, par contre, t'es pas bien hein, si tu le bannes. Banne plutôt lui. Non, mais il fait quoi? En gros, c'est lorsque cette carte est retirée du jeu, les deux joueurs retirent du jeu les 5 cartes du dessus de leur deck. Et du coup, ils gagnent 5000 points de vie. Oui, non, mais je demandais juste. Y a pas mais de... je te réponds. Oui, je gagnerais beaucoup. Ensuite, je vais jouer Servant de l'Effroi, héros de la destinée. Lorsque cette carte est invoquée normalement, placez un compteur horloge. Puis, je vais bannir lui, du coup. Et je vais effectuer l'effet de Dandy. Tu bannis pas un visage nécro? Ah, je comprends pas. Je gagne 500 points de vie. 500 points de vie. Puis je vais jouer ceci. Et je vais dire à toi de jouer. Et je passe à 4 compteurs. Tout était provide. Alors qu'est-ce que va faire Gigi? Ah. Putain là si je chope Dogma, je pourrais l'invoquer. Non. Mais continue pour la VOD. Putain si je pioche Dogma. Dogma. À toi. Oh, il passe. Mais il peut rien faire. Il peut rien faire en fait. Parce qu'ils ont combien de tes monstres? Ils ont rien, mais ils sont indestructibles. Mais ils prennent aucun dommage de combat. Ah. À moi. Mais c'est parce qu'ils prennent aucun dommage de combat qu'ils peuvent pas être détruits. Bah si. Que moi, mon sanctuaire céleste. Mais c'est vrai. Tu veux me détruire à quelque chose ou pas? Parce que tu veux replay du coup? Non. Ok. Euh...
Je mets Captain Tenace, héros de la destinée. Si un héros de la destinée, machin mes couilles, meurt, il peut être invoqué à la stand-by phase. Je vais utiliser l'effet de Dandy. C'est vrai qu'il rend sa semaine pas trop mal. Hein. Dommage. Ouais. Ok, je vais ensuite... Il y a combien de défense? 1008. C'est chiant. Ouais, t'as pas ton terrain en plus là qui te monte à 1000. Plus. Non, à toi. Je passe à 5 compteurs, ça ne sert à rien. Mais... Je crois qu'il peut pas aller à plus de 4. Si, c'est 5. Rachid, t'as rien là pour revenir. J'ai là. Rien, j'ai... malheureusement j'ai rien. Du coup, en gros, tu prends pas de dommages de combat, c'est ça? Mais tu peux détruire mes monstres. De... Ok. C'est-à-dire que... Même si t'as en gros, plus de tu le détruis et le dommage de combat qui reste, c'est 0. Quoi. Oui, mais si par exemple t'as plus de monstres, même si j'attaque, je ferai forcément 0. Ouais. C'est considéré dommage de combat. Yes. C'est tellement de cartes que je sais plus quel fait quel effet en fait. Lui, c'est celui qui fait. Ouais, bah, de toute façon, enfin en vrai, ça sert à rien parce que si tu le tues lui, il va revenir avec non, mais lui. Je tue lui du coup. Ouais. Et là, oui, du coup, ça suicide. Ouais, ça suicide et moi, je vais chercher une autre carte. Yes, pas mal, pas mal. Et il revient, je crois. Ouais. Ah putain, mais ouais. Par contre, c'est pas mal parce que ça va surtout me faire. Ça va surtout me. Ouh, je l'avais jamais vu cette carte là. Ouh, jamais vu. Est-ce que c'est bon ou pas pour le live? On va pas pouvoir reprendre. Pourquoi? Non, parce que si je reviens par OBS, ça va couper le record, ça va être trop chiant. Ah. Bon, on finit en face là. Mais au pire, vous pouvez pas swapper avec l'autre studio, il commence et nous on finit la VOD et il commence à faire un match en nous, tu vois. Pour. Bah ouais, bah Zoulou. Comme ça, le live se coupe pas quoi, tant pis, nous on finit pour la VOD. Salut pour YouTube, vous avez la fin ouais, exclusive exact. De ce duo. Et là, Xari, je vais devoir invoquer le Naga Cyber. Oh, il a mis ça. Eh oui, monsieur. Et il a un effet très très intéressant ouais. Parmi tous ses effets. Ouais, et plus particulièrement, le... Le deuxième qui fait tout ça. Et d'ailleurs, celui-là, je le récupère sur le terrain. Ah non, on tourne après, excuse-moi. Le deuxième qui fait que... Est-ce que je zoome pour la régie Ouais, Dav. David, si tu peux zoomer, pas de soucis. Voilà, en gros, le deuxième effet. Vous pouvez retirer du jeu cette carte et un monstre face recto que vous contrôlez ensuite, piocher deux cartes. Et je vais tout simplement retirer le Naga Cyber, ainsi que le oh visage là, le move Nécro. Je pioche deux cartes avant de bannir ou c'est l'effet est prioritaire, par contre. Non, c'est d'abord tu bannes et après tu piges. D'accord. 1, 2, 3. Mais regarde. 4. J'ai perdu parce que les deux qui sont bannis, c'est Plasma et Dogma. Donc j'ai perdu. Ouais. Bah, coup, j'ai là, aucun. Tu pioches 2. J'ai beaucoup de cartes, exactement. Je pioche ensuite 2 cartes. Vu que j'ai banni énormément, retiré du jeu, augmenté mon life point de 500, il y a 10 cartes, 12 cartes qui sont sorties. 12 fois 5, ce qui 6 000. Fait 6000 points de vie supplémentaires pour moi, mon cher Rinoto Show. Mais ce n'est pas. Terminé. C'est David. Ah oui, pardon, c'est David. Excuse-moi. J'ai senti que tu l'as très très mal pris. J'ai combien de cartes retirées du jeu? Parce que ça m'intéresse. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 et 8, 16. Ce qui ferait une carte à 3200. Ça fait pas mal. Si je me venais à utiliser cette carte. Je ne sais pas si je pense que j'ai perdu parce que. Mais par contre, moi, le problème, c'est que je peux pas t'infliger de damage de combat. Pour l'instant, du non. Du coup, ça me baise un petit peu. Je vais pas te mentir. Et après, moi, dans l'état actuel, je ne peux pas du tout gagner. Il peut pas t'infliger autant, je crois. En fait, mes seuls monstres qui permettent de gagner, ils sont là. Et ils sont bannis. Donc là, si t'as juste un tempo, je pourrais jamais gagner. J'ai mon monstre le plus fort, il a 1400 d'attaque. Hein, au cas où. Après, il peut t'invoquer un petit Majou à 13000 et t'attaquer et que tu fasses un petit cylindre. Quoi. Mais j'ai pas cylindre, gros. On est d'accord que j'avais pas invoqué. Si, j'avais invoqué Naga. Excuse-moi. Non, t'as invoqué Naga Cyber, mes couilles. Oui, Ange Lumineux. Ange Lumineux, ouais. C'est à toi. Et au prochain tour, je récupérerai d'ailleurs cette carte. Bah, tu récupères maintenant. Et bah, du coup, je vais la rebannir. C'est une fois par tour, ça. Ah, c'est une fois par tour? Mais du coup, si tu la bannis, il se passe quoi? Je me souviens plus. Bah, rien, elle revient dans deux tours. Je peux pas attaquer, moi. Ah, oui. Tu gagnes 500. Je la mets là parce que. Tu gagnes 500 et je peux pas attaquer à toi. Je gagne 500 points de vie! À toi, je vais. En plus, je peux pas gagner à la meule parce que j'ai moins pioché que toi, donc là, je ne vois pas comment je peux remonter. Ah, c'est pas mal ça. Et surtout, il te reste 500, donc tu te tords la cheville, tu meurs quoi. Non, mais vraiment, là, je suis dans une petite darka, comme on dit. En vrai, parce que, bon, on a vu tout à l'heure Dogma, mais il y a Plasma aussi qui est pas mal. Mais j'avoue que Dogma, lui, il peut se mettre autant de points de vie que je veux avec Dogma, c'est pas mal quoi. C'est à toi. Je n'attaque pas. Ça fait quoi? Juste si en gros si tu l'attaques
toutes les deux cartes sont bannies. Ok. Bah je vais bannir. Et je vais pas attaquer à toi. Ah oui, c'est vrai que tu peux le faire. Ouais, bon, ça me dérange pas ça. Bah non, ça te fait gagner des points de vie. Ouais. Je gagne 500 points de vie. Et c'est à moi. Mais t'attaques pas derrière? Je peux pas. Le problème, c'est qu'il a plus d'attaques que moi. Donc il faut juste que j'attende un tour où il a pas de monstre. Et je peux pas attaquer. Parce que c'est le pouvoir de ça en fait. Je peux... Attends, sinon c'est trop fort. Parce que tu bannis, j'attaque, yo. J'utilise le sarcophage doré afin d'aller récupérer une carte que je vais bannir directement, que je récupérerai dans deux tours. Il te reste combien de cartes? Pas beaucoup. En vrai, je vais pas te mentir. 3, 6, 9, 11, 7. Je peux pas gagner à la meule, non. 11. Ce duel est une tempête. Est-ce qu'à un moment, dans son deck, il y a des toutes les cartes bannies reviennent? Oui. Visage nécro. Et il faut faire quoi pour que ça fasse ça? Il faut que je le retire du jeu. Faut invoquer visage nécro. Oui, il faut que je l'invoque. Ensuite, toutes les cartes qui sont là. Les bannies, elles reviennent là. Okay. Oui, mais faut que je l'utilise, quoi. Oui, non, mais je sais que tu vas jamais le faire, mais je demande juste... Enfin, après... Tu sais quoi? Je vais bannir visage nécro. Ah non, attends. Non, si tu bannes visage nécro, vous meulez 5 cartes. Hein. On meule 5 cartes tous les deux. Bah, j'ai perdu dans 2 tours. Voilà. Je bannis visage nécro. Et on retire tous les deux 5 cartes. 1, 2, 3, 4... Et 5. Et comme j'ai banni des cartes, je gagne 5000 points de vie. Donc tu gagnes 5500. Parce que t'as banni visage nécro en plus. Et oui, 5500 en effet. 5500. Et celle-ci revient ici. Celle-là sera le tour d'après. Et celle-là en compteur. À moi. Et c'est à toi. Tu peux rajouter 5500 à la Jiraya. Tu peux me rajouter 5500. C'est le logiciel qui bug. Je vais sacrifier ces deux cartes pour invoquer Malveillant. Héros de la destinée avec 800 points d'attaque. Yes. Hop 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 hop. Puis je vais... 800, il a combien toi? 1400. Ah, je peux même pas attaquer. T'as peut-être la bannir. Je vais utiliser ma chance. Je sélectionne une carte monstre face recto sur le terrain de votre adversaire et j'inflige au life point de votre adversaire des dommages égaux à la moitié de son attaque. C'est 700. Attaque d'origine ou attaque? Malheureusement, c'est attaque d'origine. Ah oui, tu pourrais même pas le faire avec un majou, quoi. Tu m'infliges 700, je prends 700 points de dégâts. C'est et pour je me retrouve dans la panade. Après quand? C'est à moi. Après majou, je bannis. L'attaque d'origine du majou, c'est pour l'interrogation. Je gagne 500 points de vie. L'attaque d'origine du majou, c'est pour l'interrogation. Ouais. Donc est-ce que ça marche pas? Oui, si, ça marche. Je crois que c'est... Ça dépend. Dites-nous dans les commentaires de cette vidéo. Ça dépend. Sur Majou, est-ce que c'est marqué les points d'attaque d'origine deviennent? C'est l'attaque et la def de cette carte sont chacune égales au nombre de vos cartes retirées du jeu. Oui, mais est-ce que c'est écrit l'attaque et la défense d'origine deviennent ça? Non. Du coup, je pense pas. On va voir. Dites-nous dans les commentaires, du coup. On regarde le chat, mais c'est le chat. C'est plus l'anticipation. Gros, je crois qu'on va arriver à la meule, là. Du coup, je viens de piocher, donc c'est débile. Je récupère ça. Je suis à 8 compteurs. Yes. Pendant ton tour, j'active appel de l'étranté. Bien joué, mec. Afin de faire revenir. Oh, est-ce que je peux pas faire le plays? Je fais revenir le maître de l'effroi, héros de la destinée. Tintintin. Alors, l'attaque et la def de cette carte sont égales au total combiné d'attaques d'origine de tous les monstres héros des destinées. Donc il a quand même 1400, 1600. Yes. Le meilleur monstre. Dans l'animé, il est ultra fort. Hein. Parce que dans l'animé, il y a 4 de les destinées, il est genre 3000. Bien, je vais sacrifier le guerrier des dés. Non, tu veux pas. Caius, bonus. Oh, il va invoquer homoncule. Encore mieux. J'invoque le démon mineur. Puis c'est mort. Puis sa mère. Je vais attaquer ta mère. Il fait quoi? Il a 2100 et chaque carte que je détruis avec est bannie au lieu d'être au cimetière. Et non! Force miroir! Oh non, il est mort. Yes! Super déçu. À moins de jouer? Et ce n'est pas terminé. Oh, Xari pioche la dernière carte! C'est à toi. Putain, en plus la dernière carte, c'est ça, le troll ultime. J'invoque le commandant au disque! Ça revient ici. Non, pas encore. C'est si. Après. Non, c'est deux tours. Oui, j'ai utilisé Sarcophage Doré juste le tour d'avant, donc là c'est un tour. Oh non, Xari! J'aurais pu remettre 5 tours! Non, mais 43 points pour un con, hein, quand même! Oh non! Mais essaye, il me bluffe, là, cet enculé! Oh non, ça aurait été épique! Ouais, ça aurait été épique. Il serait pas mort! Ah ouais, bah, c'est sûr, là par contre, c'était le tour d'avant! J'ai utilisé ça. Bah, oui, mais c'est à ce tour-là après! Non, c'est deux tours! Regarde, c'est
bannissez. Oui, non, mais ça, non, mais ça je suis d'accord que ce soit deux tours. Mais du coup, à ton prochain tour, ça va le faire. Oui, mais c'est ajouter la carte à votre main. Je croyais que c'était invoqué. C'est, c'est au prochain tour. Ah oui. Bon, tu vas le faire pour le beau jeu. Ouais, allez, on va le faire, on va le faire. Puis on n'est pas du tout en retard. Donc... mais nous, on s'en fout. Il joue là. Ouais, ouais, ah, okay, t'inquiète, nice. On sait. Bah, du coup, j'invoque ça, voilà. Et puis, du coup, mon monstre là, il a 1100, 1700 et j'attaque. Oh non, je subis 1700 points de dégâts. Deux fois 1700, 3400. Il a dit, je te 3400, il prend. Je prends 3400. Je sais pas si je vais m'en sortir. Allez, invoque Nilsa Nécro pour le beau jeu. C'est à moi, je récupère cette carte, je pioche et normalement, je crois que celle-ci revient ce tour-là. Ouais, peut-être. Oui, parce que ça fait deux tours. Disons que oui. Visage nécro ? Mec. Visage nec ? Tu m'autorises à regarder mon deck ? Ouais. Parce que c'est chaud là. Après, t'as perdu ce tour là, donc c'est non, chaud. Non, mais bah, après, tu récupères tout ça et ça te fait un endless possibilities of plays. C'est surtout que si t'invoques un majou là. Non, mais en fait, c'est pire que ça, Xaris. C'est que même si j'invoque visage nécro. Attends. Bah si, toutes ces cartes-là, elles reviennent dans mon deck. Oui, donc, du coup, je suis plus meulé. Je suis en mode, je peux tenir encore. Mais non, mais tu passes et t'as gagné. Non, pas comme ça. Oh. Et on a jamais eu de... Attends, Xari, j'ai envie de parler. C'est presque jeu. L'une des premières fois. C'est la première fois qu'on arrive. Avec, sauf avec le deck. En vrai, les amis, vous savez que là, je passe et j'ai gagné. Mais on n'est pas comme ça. Non, donc, tu vas le faire. Donc, on va faire le beau jeu. Ça va être très, très drôle. Je vais utiliser... Qu'est-ce qu'il va faire? Il rigole comme une petite. Mais c'est trop rigolo. Moi je vais l'utiliser après. J'invoque le visage nécro. Oui. En mode attaque. C'était. Et du coup attends, je gagne. Oui, tu gagnes pas mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1200. 12, attends, mais il y a la mienne aussi. 2004. Ouais. Non, c'est que la mienne. C'est que la mienne. C'est meilleur. C'est dans cette carte. J'ai l'heure. Propriétaire, cette carte gagne 100 points d'attaque pour chacune de... Ah si, c'est toutes. Voilà. Ah, excuse-moi. Donc 12. 12 et toi? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2200. 2200 plus 1200 de base. 3400. Elle a 3400 d'attaque. Yes. Ce qui est, ma foi... Mais je peux jouer. Ouais. Attends, il peut attaquer là. Oui, il peut attaquer. Mais le problème, c'est son truc de merde là. Pour l'instant, c'est ça. Mais tu peux quand même me détruire un monstre si t'as envie. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Et après, je vais te bannir avec ça et je vais reban. J'utilise Graceful Charity. Oh guys. Non. Et je qu'est-ce pioche. Qu'il va faire le boss? 3 cartes. Non, c'est pas mal. pas mal. Mm-hmm. Là, il me faut Dogma. Dogma! Viens à moi. Terrible ce duel. Tiens à moi, Dogma. On fera le tirage au sort mardi prochain pour les decks de structure. Qu'est-ce qu'on va faire là, dites donc, les petits amis. Là, t'as invoqué et tout. Hein, donc ouais, je sais. Je vais attaquer ou mettre des cartes mages. Bah, je veux juste attaquer, écoute. Hein, tu voilà. Détruis qui? Je vais attaquer là. Au revoir. Il a combien celui-là? Alors, attaquer là. Bien joué. Et mais tu gagnes pas 1000 d'attaque? Non, c'est, il a, c'est, pas ça, c'est pas cette carte. C'est pas ce, cet terrain. Ah, à moi? Ouais. Yes. À moi? Ouais. Donc, ça en attaque ou en def, gros, ta carte fait que. Oh! T'as dit ce qui a fait durer le duel? Est-ce que tu m'autorises à regarder? Parce que je sais plus ce qu'il y a. J'ai pris l'autorisation. Oh, par contre, j'ai triché là, ça sans m'en rendre compte en vrai. Ouais. Quoi? Parce que déjà, j'ai utilisé Gracieuse Charité et j'ai pas défaussé deux cartes. Et du coup, j'avais trop de cartes en main. Donc, excuse-moi. Pas défausser les cartes maintenant. Ouais. Oui, je voulais défausser maintenant. C'est pas grave. Oh, ça change pas grand-chose. Hein. J'ai enlevé ça. Et je vais pas enlever. Mal. Salut. Salut, mon meilleur pote. Voilà, excuse-moi, je vais utiliser Absorption de l'âme. Je crois que ça sert plus à rien, mais. Ouais. Bah, mais... si, c'est toujours. À ce niveau-là, c'est toujours plaisant d'avoir des. Le David, il est comme ça en mode yes. Plus de points. Une attaque là. Ok, bah écoute, bien joué. Je vais utiliser le signal de la destinée. Activable quand un monstre que vous contrôlez détruit au combat et envoyé au cimetière. Je peux faire l'invocation d'un monstre de niveau 4 ou moins depuis mon deck. Et je vais invoquer. Oh. Je vais. Attends. Je vais invoquer Herman. Et grâce à l'effet d'Herman, je récupère
Okay. Héros de la Deste. C'est celui-là que tu invoques avec cette carte. Non, non, non. Non, ça c'est le héros de l'effroi que tu as défoncé. Ok. Ouais, c'est à moi, je suppose. Parce que... enfin, c'est... ça c'était à la fin de la Battle Phase. Mais là, c'est toi qui as joué là. Donc, non, j'ai pas joué. Là, c'est ton tour. J'ai fait la carte piège qui invoque spécial ça. Parce que j'ai fait quoi en fait? Ah, j'ai posé ça, ouais. Non, t'as ouais. attaqué. Est-ce que c'est ah, fin oui, excusez-moi. Bah, non, c'est bon, c'est fini. Ok, à moi. Yes! Je vais attaquer. Il y a combien lui? 1008. D'accord. Sa mère. Là? En fait, je sais pas. Il a combien lui déjà? 3200. Allez. 3400. Trou noir. Nique ta mère. Du coup, il est pas retiré du jeu, c'est bien dommage. À toi. Yes. Est-ce que je pourrais revenir? Ça m'étonnerait en vrai. Après, tu prends un bazou, tu le bannis et puis. Et tu gagnes 10 000 points de vie. Bravo. T'as combien de points de vie là? 500. Ah, mais t'as 500? Mais oui! Ah, bah d'accord, bah je fais typhon d'espace mystique ici. Bah voilà, j'étais en mode yo. Mais du coup, tu l'invoques pas ton truc direct? C'est direct, je crois que tu l'invoques. Oui, je l'invoque, mais en fait, ça marche pas parce qu'il est mort. C'est comme je t'ai ah, dit. Ah, exact, ouais. Moi, bah, je suis désolé. Par contre, attends, je réfléchis à un truc. Bah du coup, je fais visage nécro, j'attaque. Bien joué! Bien joué! Non, mais c'est bien joué! C'est bien qu'il en perd le truc. Après, en vrai. Si t'avais pas d'anti-magie. Bah, en fait, tu sais pourquoi je me suis permis d'utiliser Visage Nécro si c'est parce que dans les bannis, elle était dedans. Oui. Et du coup, j'étais en mode, c'est la seule que j'ai. Mais en fait, je réfléchissais. Et en fait, regarde, le problème, c'est que il me restait ça comme monstre. Et pour invoquer Dogma, il me faut 3 monstres. Et le problème, c'est que déjà de base, c'était chaud. Ouais. Parce que moi, je peux invoquer lui. Je peux invoquer lui spécialement, mais il m'en manquait. Moi, cette carte que j'ai eu beaucoup dans ma main, c'est celle-là. Elle est intéressante, mais genre, c'est si t'as aucune carte monstre dans le cimetière. Et sinon, c'est quand même. Enfin, deux sacrifices. Et en fait, depuis le début, j'avais gardé ça pour l'équiper. Et en gros, en combo, c'était pas mal parce qu'à un moment, j'avais les deux cartes. Ils me les bannissaient à chaque fois, mais à 2 tours d'intervalle, je commençais à l'invoquer. Les gens ne voient pas. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'avais le corps brumeux en fait. Et corps brumeux, ça permet juste. C'est une carte équipement, mais qui permet juste de pas être détruit en fait. Ta carte n'est pas détruite. Après, tu prends les dommages de combat tranquillement. Et celle-là, s'il a une carte équipement, je bannis 3 de ses monstres et récupère 500 pour chaque monstre. Sauf que le problème, c'est que ton truc était à 4 maintenant. Du coup, j'étais en mode. En fait, Cardiathos, c'est fort dans le sens où c'est un deck bannissement. Ouais. Et en début de partie, tu peux facilement tout bannir de ton cimetière et jouer Cardiathos gratos. Et donc ça, c'est très fort. C'est pas mal. Bref, merci à vous, c'était messieurs, d'avoir joué. Donc si on récapitule les scores, j'ai 2 victoires. Xari... Il le faisait pas, ça. 2 défaites. C'est le beau, là, en fait. Et Jiraya, 1 victoire. Dans, en vrai, une défaite au début où j'aurais dû gagner puisque t'as juste triché, quoi. Moi? Bah ouais, ton violon en rage, j'aurais pas dû. Non, mais on compte les victoires défaites, ouais, Kev. Encore, Kev, la semaine prochaine, ça jouera à pète de cristal ici. Bref, parce que ça, c'est un deck trash tier, donc. Et par contre, merci pour ton Aga Cyber, hein, qui est pas très fort dans ce deck. Ah, en tout cas. J'avoue que t'as rajouté ça alors que c'est clairement, c'est une carte tellement nouvelle. Mais c'est surtout qu'avec. Aga Cyber? Non, mais avec. C'est très récent. C'est dans le Cyber. Tu sais, c'est dans le truc où il y a 3 decks complets là, avec le Cyber Dragon et tout. Et il y a dedans. Elle est dedans, ouais. C'est une carte qui date d'il y a 1 ou 2 ans. Ok. Non, mais c'est pas grave, ça combote. Verrez, bref, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à venir nous rendre visite la semaine prochaine, mardi à 20h. On fera le tirage au sort pour le gagnant des Starter Deck. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Twitter, non pas en DM, mais si vous allez sur mon Twitter, j'ai un tweet épinglé. Vous pouvez me faire vos propositions de decklist, de changement et me donner votre avis sur l'émission. Merci à vous d'avoir suivi. Désolé d'avoir coupé le live, mais on a eu un problème technique. Mais au moins, vous avez la VOD sur YouTube. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.